Reconnaissance à tous les membres de la résistance, quel que soit leur rang et leur mission. À celles et ceux qui sont présents en première ligne et suivent le plan sans violence, malgré les harcèlements, qui ont répondu à l'appel ou qui y répondront. À ces millions d'anonymes qui sont sur le terrain luttant pour adoucir la vie de leurs semblables. Reconnaissance aux 12 qui sont partis un jour, porteurs d'un grand espoir. 7 sont aujourd'hui de retour, 5 reviendront encore pour accomplir la tâche et faire trembler le monde. À ceux qui se souviennent et à ceux qui ont perdu la mémoire, à ceux dans l'astral qui s'activent sans relâche, à ceux qui ont un frère, une sœur, un parent derrière les portes de l'ombre, à tous ceux qui attendent un signe depuis si longtemps. Que ce modeste ouvrage puisse raviver en vous le feu sacré de la flamme blanche. Préparez-vous à être prêt. Réveille-toi, Néo. En écoutant ce livre, vous vous placez dans la situation de Néo lorsque celui-ci décide de choisir la pilule rouge. Forcément, comme Néo, le doute va vous saisir. À la lecture de certains passages, vous serez envahi par une colère froide, par un sentiment de révolte, d'effroi et de détresse aussi. C'est ce qui arrive toujours lorsque l'on décide de franchir le Rubicon. Puis viendra la peur. La peur est inévitable au moment de passer de l'autre côté du miroir. C'est le prix à payer pour sortir de ce système aliénant dans lequel tout le monde se heurte sans cesse à des murs invisibles, murs dont on nous dit qu'ils n'existent pas. Avant de vous élever à une plus grande compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure, il vous faudra entrer dans le terrier du lapin blanc et toucher du doigt le fond du gouffre. Bientôt, comme quelqu'un qui s'apprête à dévaler la pente vertigineuse d'un grand 8, vous allez vous arc-bouter sur tout ce que vous croyez savoir et vous cramponner à tout ce qui fait que vous êtes aujourd'hui celui que vous croyez être, jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes quelqu'un d'autre. Je peux vous prévenir, mais je ne peux pas vous l'éviter. Pas question de tricher sur le chemin qui mène à votre vérité. Ce chemin qui vous demande d'interroger votre cœur sans complaisance et de trouver la réponse à toutes vos questions par vous-même, simplement en l'écoutant vous répondre. Il est certes plus tentant de se laisser bercer par l'illusion infantilisante d'une aile protectrice, d'un être supérieur, d'une entité cosmique tutélaire qui se serait donnée pour mission de sauver le monde. Malheureusement, autant vous le dire tout de suite, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Le Messie n'existe pas. Il est aux adultes ce que le Père Noël est aux enfants. La différence tient tout entière dans la perception que l'on se fait du temps. Le Père Noël revient tous les ans car cette échelle de temps est déjà incroyablement longue dans l'esprit de l'enfant. Pour vous, les faux dieux planificateurs invisibles ont juste étiré l'échelle du temps à son maximum pour que nous puissions croire plus longtemps jusqu'au bout à cette fable inventée pour nous rendre l'idée de la vie un peu plus supportable. C'est un leurre, une impasse destinée à nous endormir et nous empêcher d'accomplir notre destin. Car le Messie, c'est vous, ce devrait être vous, ça ne peut être que vous. Ça aurait dû être vous et personne d'autre. Je vous demanderai de ne pas me tenir rigueur et d'excuser les faiblesses de certaines explications et le peu de rigueur de certaines démonstrations, d'excuser aussi les nombreuses répétitions. Elles sont là pour que les idées puissent s'ancrer profondément en vous. Ce livre n'est pas un essai de physique ni même une thèse philosophique, c'est un traité métaphysique qui s'adresse directement à l'âme. Il appartient à un domaine qui enjambe la nécessité d'épreuves, car son but est simplement d'éveiller des souvenirs enfouis au plus profond de vous. Alors, Néo, bleu ou rouge?
Devant la multiplication des phénomènes étranges, des témoignages insolites, des découvertes impossibles, une vision exclusivement matérialiste du monde n'a plus de sens. Pour autant, je ne suis pas là pour entretenir le merveilleux dans la tête du lecteur. En cette période charnière, bien délicate, nous devons nous méfier plus que jamais des séductions. Mon but est de briser le secret, pas d'enfermer les gens à l'intérieur. C'est de donner des clés qui libèrent et ouvrent vers de plus grands horizons. Il ne s'agit donc pas pour moi de donner des clés donnant accès à des labyrinthes de croyances dont nul ne peut s'évader. Entre matérialisme exacerbé et crédulité naïve, il existe une alternative. Il faut tenter en effet de sortir de ce système aliénant et essayer de commencer à réfléchir par soi-même. C'est ainsi que nous parviendrons à échapper à ce conditionnement qui nous maintient dans un comportement animal où l'homme passe alternativement du troupeau de moutons à la meute de loups, selon les circonstances et les besoins de ceux qui jouent avec nos sentiments et nos émotions. Pour y parvenir, la première étape consiste à se laisser gagner par le doute. C'est un renoncement singulier que d'abandonner une à une ses certitudes, admettre que la réalité ne repose que sur des théories fragiles, superficielles, incomplètes, pour ne pas dire sur une imposture. Ce doute salutaire nous impose de réfléchir au lieu de nous précipiter dans le premier piège venu. Plus question alors d'être les dupes des gardiens du dogme, des beaux parleurs, des gourous et faiseurs de miracles qui voudraient se servir de nous. Le doute nous impose de juger sur pièce, sur les faits et non plus sur les promesses des uns et des autres. Alors naturellement, cette démarche est exigeante, moins complaisante. Il est plus facile de ne pas se poser de questions et de s'en remettre entièrement au discours officiel, aux théories admises, ou même aux escrocs de service, aux marchands de poudre de perlimpinpin. Mais voilà, ce n'est pas ce que je vous propose. Je ne vous propose pas une vérité toute faite. Je ne vous propose pas non plus un concept qui rassure. Tout ce que je promets, c'est un complet décrassage du monde réel et une totale, complète et parfois douloureuse remise en question. Entrer dans le jeu des secrets, c'est le début du piège de la fascination. La fascination de soi-même et du sentiment de pouvoir que procure l'illusion d'être dans le secret. C'est un leurre, un piège qui nourrit l'ego. La tentation initiatique n'a donc pas de prise sur nous, car le rite initiatique ne se donne jamais sans une contrepartie. Le premier prix à payer, c'est déjà celui de l'appartenance, et je ne veux appartenir à personne. Cette façon de voir les choses embarrasse ceux qui voudraient préserver le secret pour eux seuls. Le chercheur doit toujours garder à l'esprit qu'il avance en terrain miné, sans rien savoir de ce qu'il attend et sans savoir réellement où il met les pieds. Il doit surtout être bien conscient qu'il est peut-être en train de faire fausse route et qu'à tout moment il pourra être amené à orienter ses recherches dans d'autres directions. Le chercheur de vérité doit se méfier des apparences et regarder au-delà. Il ne doit pas prendre pour argent comptant les informations qu'il reçoit et doit également se méfier de l'objet même de son étude. Paradoxalement, il devra rester ouvert à toutes les théories sans rien rejeter qu'il n'aura préalablement étudié et vérifié. Le but de cette recherche n'est pas de se faire plaisir, mais de se rapprocher de la vérité si tant est qu'elle existe. De quelle vérité s'agit-il? J'ai l'impression qu'il y a une vérité pour chacun d'entre nous. Une vérité faite sur mesure et à laquelle chacun d'entre nous est prédestiné. Une vérité qui est aussi le but de tout. Par conséquent, il y aura autant de vérités qu'il y aura de chercheurs en ce monde. Alors peut-être, pour commencer, devons-nous redécouvrir qui nous sommes vraiment, ici et maintenant, afin que notre conscience s'éveille et que nous accomplissions notre destinée.
Tout cela est peut-être un pari un peu fou, mais la réponse est évidente. Finalement, qui est le plus fou? Celui qui poursuit ses rêves jusqu'au bout ou bien celui qui y renonce? Je vous ai promis la vérité. Je ne vous ai pas dit que ça allait vous plaire. Dès ma petite enfance, j'ai constaté que les personnes autour de moi étaient pleines de bonnes intentions, que tout le monde avait envie de s'aimer, que tout le monde aspirait au bonheur, avait envie de s'aider, de s'embrasser, de s'enlacer, de s'élever. Et pourtant, je me suis toujours étonné de voir que mes parents n'arrêtaient pas de se chamailler, que leurs disputes étaient de plus en plus virulentes et qu'au-delà de ça, toute l'histoire de l'humanité ressemblait à un véritable cauchemar sans fin dont nul ne pouvait s'extirper. Un cauchemar plein de barbarie et de massacres. Un peu plus tard, je me suis rendu compte aussi que dans tous les domaines d'activité des hommes, c'était à chaque fois les plus fourbes et les plus tordus qui arrivaient au sommet, comme s'ils étaient favorisés par la Providence, par une main invisible. Très jeune, j'ai essayé de comprendre comment tout cela était possible. Après avoir souvent entendu des gens se poser cette question « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?», je me suis dit que Dieu ne devait pas être si bon que ça, lui qui était si revanchard. Puis, j'ai décidé de regarder la situation en face. Mon but était de savoir qui mène vraiment le bal et quelle était l'origine de tout ce mal qui se répand inexorablement sur la terre. Comme les organisations religieuses sont de loin les plus influentes à travers le monde, et ce depuis l'origine des temps, j'ai étudié en priorité les religions. Or, je me suis très vite aperçu que les doctrines religieuses divisaient les hommes au lieu de les unir. En effet, malgré les beaux discours et les belles promesses, les religions étaient toutes fondées sur une prétendue vérité révélée qu'elles avaient imposée aux autres par la force. Toutes avaient à un moment ou à un autre de leur histoire adopté un prosélytisme aveugle et violent au nom du seul vrai Dieu qu'elles étaient censées défendre et représenter. Puis j'ai découvert la formule « la première ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas, la seconde consiste à diviser pour mieux régner ». Il m'est apparu comme une évidence que les religions s'inscrivaient parfaitement dans ce programme. J'en suis donc arrivé à la conclusion, j'avoue avec une certaine frayeur, car il s'agissait pour moi de franchir un tabou absolu, que le Dieu défendu par toutes les religions du monde, et forcément celui des trois religions monothéistes, était le diable en personne. J'utilise le mot diable pour que tout le monde comprenne le diable dans son acceptation générale et la figure du mal incarné sur la terre, le grand tentateur, celui par qui arrive tout le malheur des hommes. Je ne pouvais cependant pas me contenter d'observer l'histoire pour arrêter ma conviction. J'ai commencé alors par lire la Bible, un livre auquel, excusez du peu, croient des milliards de personnes. Je sais que tout ceci n'est que mythologie et qu'il arrivera un jour où nos descendants regarderont la Bible comme telle. Je sais que les mythologies recèlent néanmoins une grande part de réalité et ne sont pas pure poésie. J'ai donc décidé de lire la Bible au premier degré. Et là, les bras m'en sont tombés. J'ai découvert avec effroi l'histoire d'un dieu tyrannique, cruel et sans scrupules, usant de toutes les ruses pour arriver à ses fins, encourageant les hommes aux pires exactions, au meurtre, à l'inceste, aux crimes de masse, aux sacrifices, etc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que mon hypothèse de départ n'était peut-être pas aussi stupide qu'elle semblait l'être. Prenons un exemple très simple et que tout le monde connaît, celui des deux fils d'Adam, Abel et Caïn. L'histoire retient que l'aîné des deux frères, Caïn, est le premier assassin du genre humain. Son nom est maudit à jamais et sur lui retombe l'opprobre du monde, génération après génération. Il y a pourtant quelque chose qui me trouble dans ce récit. Et si Caïn n'était pas le méchant de l'histoire? Voyons ce que raconte le texte de la Genèse.
4.1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». 4.2. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. 4.3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ainsi, symboliquement, Caïn représente l'amoureux de la nature. Il est cultivateur. J'imagine qu'il cultive bio à l'époque. Il a son potager. Il fait sans doute dans la production durable et respectueuse de l'environnement. Et surtout, il offre respectueusement le fruit de son labeur à son Dieu. Voyons la suite. 4.4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ainsi, Abel, de son côté, pratique des sacrifices sanglants dans le cadre de rituels. Il sacrifie les premiers-nés de son troupeau, une pratique qui consiste à égorger les bêtes puis à les laisser agoniser dans la douleur en se vidant lentement de leur sang. Or, au lieu de réprouver un acte aussi épouvantable, comme le ferait toute personne un tant soit peu sensible au sort de l'animal, l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, le félicite et s'en délecte. Cela nous donne un premier aperçu de la mentalité du Dieu en question. Il y a pire encore. 4.5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il y a de quoi, non, quelque part. Donc, content d'encourager Abel dans sa cruauté, Yahvé rejette l'offrande de Caïn. Ce faisant, il commet une injustice évidente. Il enferme Caïn dans l'incompréhension et le désespoir, et par là même, il se rend responsable de son coup de folie. En effet, Caïn tue son frère Abel, non par jalousie, mais tout simplement parce qu'il découvre l'ignominie d'un monde dans lequel son Dieu qu'il vénère favorise les turpitudes d'un frère sadique et cruel qui prend plaisir à trucider les animaux dans des conditions abjectes. J'ai alors lu l'Évangile. J'y ai trouvé un tout autre message, un message d'amour condamnant expressément les sacrifices. Matthieu 9,13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». J'ai réalisé à quel point ce message du Christ, ce message d'amour, pouvait être la clé de la libération de l'homme. Notez bien, je ne prétends pas que les religions chrétiennes soient au-dessus des autres. Je mets toutes les religions dans le même panier. Du reste, toutes trois se réfèrent au même Dieu dont nous avons parlé plus haut. Je pense que l'humanité a besoin de moins de dogmes, de moins de religions et de plus de Christ. Or, les religions sont dans le dogme, et pas dans la parole du Christ, dont le message et l'énergie sont réellement le seul remède qui permettra de sauver l'humanité. L'amour, la voie cardiaque que la peinture sacrée montre, l'index du Christ désignant très exactement le chakra du cœur, le sacré cœur, près de l'organe physique, est en effet la seule révolution qui soit réellement viable. Mais c'est aussi la révolution la plus exigeante, puisque c'est une révolution qui doit s'accomplir non pas à l'extérieur, dans les structures de la société, mais à l'intérieur, dans les structures de l'ADN, les muscles, les fibres, les nerfs, la chair de chaque être humain. Les religions sont très loin de promouvoir ce message. Il suffit d'observer le comportement de l'Église à travers l'histoire pour en déduire son appartenance véritable. Les richesses qu'elle a accumulées, le fait d'utiliser les termes de « mon père » ou encore « le Saint-Père » entrent également en contradiction totale avec les préceptes du Christ. Matthieu 23,9 « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Une recommandation bafouée par l'Église dès la première heure du plus petit curé que l'on appelle « mon père » au pape lui-même qui est le Saint-Père. Quoi qu'il en soit, même si l'Évangile a été largement dévoyé, déformé et détourné, j'ai constaté d'énormes différences avec la Bible. Il s'agit en effet de deux enseignements contraires,
voire incompatible. Comment expliquer dans ce cas, autrement que par une malversation, le fait que l'un se fasse appeler l'Ancien Testament et l'autre le Nouveau? Il s'agit d'une astuce grossière visant à mettre en avant un seul et même personnage, le fameux Yahvé, dont la volonté était de s'attribuer le rôle du Père du Christ, alors qu'en réalité il ne l'est pas et ne l'a jamais été. Or, s'il a réussi ce tour de force, c'est qu'il est tout puissant dans notre monde. Reste à connaître la nature réelle de celui qui gouverne le monde. Pour le découvrir, il suffit de revenir au message christique. Il y a un passage plutôt clair à ce sujet, celui de la tentation dans le désert. Matthieu 4,8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Il ressort de tout ceci une évidence. Si le diable peut offrir tous les royaumes du monde, c'est qu'il en est forcément le propriétaire. Notez en passant que le pacte avec Satan consiste en une transaction immobilière, la terre, en échange de la soumission. Satan achète toujours la soumission de ses serviteurs avec des contreparties matérielles, des richesses, des terres. C'est la grande tentation à laquelle succombent les faibles et les endormis. Un maître christique, lui, est évidemment à l'abri de ce genre de manœuvre. Ceci nous est clairement expliqué par le passage que nous venons de lire. Or, si nous mettons ce passage en parallèle avec les versets suivants, extraits du livre de l'Exode, tout s'éclaire subitement. Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Si, comme nous l'avons vu, le propriétaire de ce monde est le diable, et si la terre est à Yahvé, alors il ne fait pas de doute que Yahvé est le diable. Du reste, on ne s'étonnera plus de la nature de l'alliance qu'il passe avec les Hébreux. Leur propose-t-il la vie éternelle, le paradis? Pas du tout. Il en serait bien incapable. Tout ce qu'il peut leur promettre, c'est une terre. À défaut d'être Dieu, Yahvé se comporte comme un vulgaire agent immobilier. Si vous doutez encore de la véritable identité de Yahvé, voici de quoi vous convaincre. Exode 19,4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, les 10 plaies. Et je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon pacte, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Avec qui signe-t-on un pacte? Toute la terre est à moi. Cette expression dans la bouche de Yahvé est sans équivoque. L'Exode nous montre par ailleurs à quel point, avec Yahvé, les dés sont toujours pipés. Au début du livre de l'Exode, tout se passe très bien. Yahvé se présente à Moïse et lui dit combien il est pris de pitié pour son peuple qui souffre en Égypte. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » 3:8 « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Au début, Yahvé se présente sous son meilleur jour, un peu à la façon d'un pervers narcissique. Avec lui, dès le premier contact, tout est cadeau. C'est encore mieux que la grande braderie, évidemment. Il n'insiste pas trop sur le fait que la terre promise est déjà habitée et que le 10 peuples hébreux va devoir soumettre, voire exterminer tout le monde pour pouvoir s'y implanter. Une bagatelle pour Yahvé. En réalité, le livre de l'Exode nous montre la stratégie du diable et son approche par la ruse. Rapidement, le piège va se refermer sur Moïse et tous ceux qui auront le malheur de le suivre. Il n'y a jamais rien de gratuit avec Yahvé. C'est la première leçon. Rapidement, il va exiger la totale soumission des Hébreux, et comme les Hébreux ne se soumettent pas assez vite, il va les punir
en les faisant tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, histoire que les générations suivantes comprennent bien qui est le patron. J'ajoute que sans les intercessions désespérées de Moïse, Yahvé aurait massacré ce pauvre peuple hébreu bien avant que celui-ci n'ait eu seulement le temps d'apercevoir la terre tant convoitée. Le passage de l'Exode 32:9 en témoigne parfaitement. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple courroide. Maintenant, laissez-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre ? » Et de fait, c'est bien pour éviter le ridicule que Yahvé finira par calmer sa colère et commuer son instinct génocidaire en une punition pleine de miséricorde. Voyez plutôt la suite, 32:27. Moïse leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. C'est typiquement la méthode qu'on attribue aux démons, séduction, soumission, châtiment. En résumé, si on lit attentivement la Bible et l'Évangile, on comprend que Yahvé n'est absolument pas le Père du Christ, mais Satan, et qu'il domine sur la terre. Voici au demeurant ce que dit le Christ dans le temple aux scribes et aux pharisiens, qui sont les savants du livre. Jean 8:44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Difficile d'être plus clair. Et pourtant, l'Église chrétienne va revendiquer sa filiation avec l'Ancien Testament. Pourquoi ? Un passage de l'Évangile nous en apporte une belle explication. Tout le monde se souvient en effet que Pierre, présenté comme le fondateur de l'Église romaine, va renier le Christ par 3 fois avant que le coq ne chante. Cette anecdote symbolique n'est pas là par hasard. Elle indique noir sur blanc que les fondateurs de l'Église romaine, les porteurs du message christique originel, ceux qui auraient dû être en charge de le défendre et de le transmettre, ont trahi leur mission dès le commencement en reniant le Christ et son message. En échange de ce reniement, ils ont obtenu exactement ce que le Christ s'était vu proposer sur la montagne, à savoir toutes les richesses de la terre et le pouvoir absolu sur les hommes. Ce que le Christ a refusé, l'Église l'a accepté dès sa fondation. Le rappel de ce pacte figure en toutes lettres dans l'Évangile. Tout est écrit sous nos yeux. Il suffit de lire. L'information est à peine voilée. Tout a été écrit et laissé dans le texte, parce que tout est prévu dans le plan de Yahvé, et même le fait que nous accédions un jour à la révélation. Luc 12:2. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Cela aussi a été prévu, intégré et calculé par Yahvé, qui a toujours un coup d'avance. Voici la base de ce que je venais de comprendre. J'avais alors à peine 20 ans. À l'image de Cain, je découvrais que l'humanité, depuis ses origines, faisait la triste expérience de vivre dans un monde artificiel, dirigé, contrôlé, manipulé par le diable en personne. Les paroles de Jean résonnaient en moi et renforçaient encore ma conviction. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 2:16.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 2:17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Même si les mots « Père » et « Dieu » ont été ajoutés par les scribes censeurs à la place du mot « royaume », le sens profond du texte ressort tout de même. Il m'a fallu du temps pour me résoudre à accepter cette vérité qui allait contre mon propre conditionnement, mais passé cet effort, le monde m'est apparu dans toute sa logique et toute sa cohérence. Tout était conforme aux affirmations de Jean 5:19. Nous savons que nous sommes de Dieu, du royaume, et que le monde entier, la matrice artificielle, est sous la puissance du malin. Je savais désormais pourquoi nous étions gouvernés par le mensonge et je comprenais pourquoi tout allait si mal. À présent, je me demandais ce que j'étais venu faire ici. Ainsi, l'humanité, depuis l'origine des temps, est confrontée à une question erronée dont la logique faussée ne peut conduire qu'à une impasse. Pour sortir de ce cercle infernal, il faut cesser de réfléchir à la surface du miroir. Pour comprendre ce qu'est vraiment la vie au cœur de la matrice, il faut contempler la matrice au-delà des apparences. La vie est une énigme. Nous ne savons pas ce que nous sommes venus faire ici, pourquoi ni comment nous sommes arrivés là. Nous ne savons rien. Et ce ne sont sûrement pas les religions, avec leurs concepts archaïques, qui ont engendré plus de guerres et de massacres dans l'histoire qu'on ne pourra jamais en dénombrer, et dont la seule raison d'être est la soumission des fidèles en échange d'un peu de consolation, qui apporteront des réponses à ces questions. Drôle de paradoxe, vous ne trouvez pas que ces institutions religieuses qui sont censées apporter des solutions soient justement le principal vecteur du problème existentiel de l'humanité. C'est comme si le docteur était devenu la maladie, une maladie chronique. N'allez pas croire pour autant que les textes auxquels ces religions se réfèrent sont sans valeur. Au contraire. Ces vieux textes sont porteurs de la mémoire d'un passé lointain. Fondés sur des traditions millénaires, ils portent en eux le germe et l'écume de la sagesse des anciens. En cette période d'incertitude où le passé stagne dans les eaux de l'amnésie collective, tandis que le présent devient évanescent et virtuel, il est essentiel de se replonger dans ces légendes, car elles détiennent les clés de compréhension du futur pour peu que l'on accepte de se libérer des interprétations religieuses déviantes par nature, puisque au service de la domination d'une caste sur le troupeau humain. Commençons tranquillement notre quête de compréhension des rouages de la matrice par un exemple simple. La philosophie nous apprend qu'on ne connaît, possède, domine, maîtrise vraiment les choses qu'une fois leur avoir attribué un nom. Connaître le nom des choses, des personnes, c'est en partie les posséder, c'est leur donner existence, et donc détenir un contrôle certain sur leur existence. La Bible, imprégnée de traditions sumériennes et aussi égyptiennes, nous en donne une parfaite illustration dans la Genèse. Souvenez-vous, 1:26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ainsi, comme vous le constatez, le fait d'attribuer un nom ou de connaître un nom permet d'acquérir un pouvoir sur l'être ou sur la chose nommée. Par extension, on déduira que pour réduire un individu à néant, il suffira de lui enlever son nom. À en croire la version admise de l'histoire officielle, c'est exactement ce que faisaient les anciens Égyptiens dont la caste dirigeante était initiée au secret de la matrice. Il existe des castes célèbres, de généraux, de notables, mais aussi de pharaons, dont les noms furent systématiquement effacés des tablettes, jusque dans le tombeau, comme si l'on essayait de gommer leur existence par-delà même la mort.
Il n'empêche, cette pratique de l'effacement du nom d'une personne ne s'arrête pas à cette simple considération, mais va bien au-delà, comme vous le comprendrez plus tard. La Bible regorge d'allusions liées à cette problématique. Deutéronome 29:20 « Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux » ou encore Josué 7:9 « Et ils feront disparaître notre nom de la terre ». La hantise de l'effacement du nom est encore présente dans le Nouveau Testament. Cette fois, la mesure est liée à un autre concept, celui du livre de vie. Philippiens 4:3 « Dont les noms sont dans le livre de vie » ou encore Révélation 3:5 « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Les évangiles, par ailleurs, nous apportent une information précieuse. Certains noms furent placés dès l'origine du monde dans le livre de vie, tandis que d'autres noms n'y furent jamais inscrits. Révélation 13:18 « Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie ». Cette notion de livre de vie n'est pas étrangère à celle de l'arbre de vie. Nous y reviendrons. Nous verrons aussi plus loin une autre façon de comprendre le terme « nom » selon les Égyptiens anciens, et nous comprendrons alors toutes les implications de cette pratique. Alors, quand je parle des Égyptiens anciens, c'est en tout cas ce qu'on en dit, ce que la science nous en dit. Quoi qu'il en soit, l'homme ne s'est pas contenté de donner un nom aux animaux sur terre, aux oiseaux du ciel, aux poissons de la mer, marquant sa domination sur toutes les créatures vivantes. Il a aussi nommé tous les objets et éléments de la nature, du plus grand au plus petit, du visible à l'invisible, du plus près au plus loin de lui, pour s'approprier toute chose. Toutes les étoiles dans le ciel portent un nom, quand bien même celui-ci ne serait composé que d'une seule lettre suivie d'un numéro. De même, dans le système solaire, toutes les planètes portent un nom, Mercure, Vénus, Mars, les satellites de ces planètes portent également un nom, Phobos, Titan, Europe. L'homme a nommé tous les astres, toutes les constellations visibles dans le ciel. Il a donné le nom d'une divinité à toutes les étoiles et à toutes les planètes, transformant le firmament en véritable panthéon. Ce faisant, il montrait non seulement sa maîtrise sur les éléments de la nature, mais aussi l'étendue de ses connaissances sur les puissances qui s'y exercent. Tout cela a été nommé par l'homme en un temps reculé pour figer les termes de la domination de l'homme sur la création, mais aussi pour que l'homme puisse connaître les limites de son pouvoir. Ainsi, la Genèse nous apprend que là où les noms sont absents, s'arrête la connaissance et le pouvoir des hommes, car c'est là que commence la frontière du domaine réservé des dieux. Or, il existe un paradoxe étrange et révélateur. Toutes les planètes ont un nom, sauf la Terre, qui est littéralement une terre parmi les autres terres du système solaire. Tous les satellites ont un nom, sauf notre Lune, qui est littéralement une lune parmi les autres lunes du système solaire. Il en est de même de notre Soleil, qui est un Soleil parmi des milliards de soleils. Ainsi, nous n'avons pas donné de nom aux trois corps célestes qui ont le plus d'influence sur nos existences. Il ne s'agit évidemment pas d'un oubli. Cela est dû à la programmation que l'humanité a subie au moment de sa création. Je défends en effet la thèse selon laquelle, depuis l'origine des temps, des entités maléfiques règnent sur tout l'univers visible et invisible, une matrice artificielle composée d'autant de compartiments étanches qu'il y a de systèmes solaires. Ces êtres déchus, que nous appellerons les faux dieux et qui s'appelèrent autrefois les archontes, ont créé l'homme à leur image, le conditionnant pour en faire un esclave idéal, capable de régner sur le monde en leur nom. L'homme a subi plusieurs limitations pour satisfaire pleinement aux besoins de ses créateurs. Les faux dieux décidèrent que l'homme devrait tout ignorer des plans supérieurs. Or, faisant partie intégrante de ce plan, la Terre, la Lune et le Soleil n'ont pas été intégrés au domaine de contrôle de la créature humaine. Leurs noms sont restés scellés et ne résonneront jamais aux oreilles des hommes. Sans doute, la Terre a-t-elle eu un nom par le passé, la Lune et le Soleil aussi. Certaines traditions évoquent le nom de Gaïa pour désigner la Terre, d'autres l'appellent Urantia.
Ces noms remontent aux temps immémoriaux et ne sont plus valides aujourd'hui. Ils renvoient au premier temps de notre monde, un temps instable et vacillant où la hiérarchie des dieux n'était pas encore fixée. Il y avait alors 13 divinités noires pour 13 lignées principales issues de la matière noire. Les archontes, ondulant comme des ombres dans un substrat informe, venaient à peine d'abandonner leur nom ancien, à jamais effacé par la structure du temps, pour mieux renaître à la nouvelle matrice qu'ils venaient de créer. C'était le premier temps, celui de la formation des planètes, à l'intérieur desquelles ils prospéraient tels des parasites se gorgeant de la saveur d'un fruit. C'était le temps de l'abandon de la matrice originelle, le royaume, parfait en tout point, sans commencement ni fin, dont notre monde imparfait allait devenir l'antithèse. La matrice originelle est l'expression d'un langage divin, l'expression du dialogue divin en communication avec lui-même. La matrice artificielle, le monde créé par les faux dieux, englobe toute la galaxie et tout l'univers visible, issu de l'événement que les scientifiques nomment le Big Bang. La matrice artificielle dans laquelle nous vivons est une copie décalée et dégradée de la matrice originelle, la matrice christique que j'ai envie d'appeler matrice de lumière pour vous permettre de l'imaginer concrètement. En réalité, il n'y a pas de mots pour décrire la matrice de lumière et je n'ai pas de mots plus précis pour la définir. L'énergie divine qui la sous-tend n'est du reste pas de la lumière telle que nous l'entendons. Je l'appelle matrice de lumière car le spectre de la lumière est dans notre monde ce qui se rapproche le plus de cette énergie. Je l'appelle matrice de lumière en opposition aux denses ténèbres qui emplissent 99,9% de notre monde. La lumière originelle est un rayonnement qui nous est inconnu, qui nous serait insoutenable si nous devions y être exposés. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous ne pouvons pas regarder le soleil en face. Le soleil, de même que toutes les étoiles de l'univers visible, sont en effet des points de friction entre la matrice originelle et notre monde. C'est là, sur ces points centraux d'énergie, que toutes les forces convergent et que les deux matrices se rencontrent. C'est par là que l'énergie universelle s'introduit dans la matrice artificielle. Cette énergie qui s'oppose à l'humeur noire que les faux dieux ont projetée ralentit alors au-delà d'un certain seuil, entraînant la naissance du temps qui est le ferment de la matrice artificielle. C'est là et au niveau de chaque étoile que s'affrontent les forces des deux mondes. Si les soleils sont des portes d'entrée dans notre monde, les trous noirs sont des portes de sortie vers le royaume originel. Les trous noirs résultent d'un processus achevé de réintégration d'une zone de la matrice artificielle dans le giron de la matrice originelle et sont le signe d'une lutte perpétuelle acharné entre les forces du royaume et les forces du monde. Ces deux matrices ne sont pas séparées dans l'espace ni même dans le temps. Les notions d'espace et de temps sont étrangères à la matrice de lumière. Si cela devait avoir un sens, nous dirions que ces deux dimensions sont séparées par une sorte de train d'onde, un champ de force qui agirait comme une membrane. En fait, seule une démonstration mathématique savante dans laquelle les équations de départ pourraient s'inverser par effet de miroir réussirait à nous donner une représentation fidèle de cet assemblage. Les ondes en provenance du Soleil, et que nous craignons tant, sont des ondes dérivées d'une énergie qui arrive directement de l'autre côté. Un rayonnement cosmique qui pourrait à terme nous libérer du monde factice en le désagrégeant. Le soleil et les étoiles sont des portes entre deux mondes. Certains chercheurs ont compris qu'ils étaient, vus depuis l'intérieur de la matrice originelle, des trous noirs aspirant l'énergie universelle par gravité et expirant dans le monde le souffle originel divin qui donne vie et illumine. C'est parce que le soleil est une porte ouverte sur l'autre dimension que nous ne pouvons pas le regarder sans recourir à des filtres et des instruments. Il nous est impossible de supporter cette fréquence vibratoire
car le virus humain n'a biologiquement pas été conçu pour la matrice de lumière. Si les soleils sont des portes d'entrée naturelles dans la matrice artificielle, ils peuvent aussi servir de portes de sortie pour certains vaisseaux conçus pour résister à la violence de ces courants. Ajoutons que les cœurs des planètes vivantes renferment des soleils intérieurs qui sont aussi des portes donnant accès à la matrice artificielle. Les pressions qui s'exercent autour des soleils intérieurs sont moins fortes. Ces portes peuvent également servir pour sortir de la matrice artificielle. Ces passages nécessitent par ailleurs des vaisseaux beaucoup moins puissants. Quoi qu'il en soit, toutes ces portes sont surveillées. Tous les soleils, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont artificiellement fermés, de sorte que le passage par ces portes est rendu particulièrement difficile. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que la frontière entre les deux mondes n'est pas étanche. Le soleil et les étoiles qui brillent au firmament sont des points de rencontre entre ces deux mondes. Les gigantesques explosions de quasars et les spectaculaires éruptions solaires sont des tsunamis d'ondes qui émanent de la matrice christique et s'infiltrent en permanence dans notre dimension, rendant l'équilibre de notre matrice de plus en plus instable à mesure que la pression cosmique augmente localement. Les faux dieux surveillent étroitement le Soleil, comme l'attestent les immenses vaisseaux en orbite solaire régulièrement photographiés par la sonde spatiale SOHO, fruit d'une collaboration entre la NASA et l'ESA. N'oublions pas non plus un élément essentiel, ces ondes christiques qui pénètrent dans la matrice artificielle permettent à l'ADN de se brancher à la matrice originelle et d'y puiser l'énergie qui lui insuffle la vie. Malheureusement, ce bain d'ondes est pollué aujourd'hui par l'action des paraboles, des antennes relais, des compteurs électriques Linky, des téléphones, des ampoules basse consommation, et tout ce qui constitue globalement aujourd'hui l'ensemble du système HARP, le High Frequency Active Auroral Research Program, un programme scientifique et militaire visant officiellement à comprendre les mécanismes complexes qui gouvernent la ionosphère, région de la haute atmosphère, mais qui cache en réalité d'innombrables programmes secrets inavouables, comme par exemple le contrôle du climat. HARP est déjà couplé aux nanotechnologies disséminées dans l'atmosphère, les fameuses smart dust, et demain, il sera couplé aux implants. Toutes ces technologies, et la 5G aura un rôle important dans tout ça, forment un épais nuage de pollution d'ondes, une couverture de brouillage tout autour de la planète. Pour avoir une idée de ce cloaque dans lequel nous baignons et qui constitue notre système solaire, il suffit d'imaginer un ballon de baudruche dont l'embout, notre soleil, aurait été complètement torsadé pour empêcher l'air non pas de s'échapper, mais d'être aspiré à l'intérieur. En dépit des forces colossales qui s'opposent, le rayonnement cosmique en provenance du royaume continue inexorablement de s'engouffrer dans la matrice artificielle. Cette énergie universelle est absorbée par les soleils intérieurs des planètes et se retrouvent piégés par un puissant champ électromagnétique. Ce phénomène n'a de cesse de faire grossir les planètes, tout en augmentant la pression sur les parois du ballon. Cette métaphore grossière du ballon de baudruche permet de comprendre qu'en l'absence de réaction, le ballon finirait forcément par éclater et du même coup par disparaître. Une fois libéré, l'air qu'il contient retournerait dans l'atmosphère, c'est-à-dire la matrice originelle, et tout rentrerait dans l'ordre. C'est exactement ce que ne veulent surtout pas les faux dieux. Ainsi, pour maintenir la cohérence du système qu'ils ont créé, pour éviter que celui-ci ne disparaisse, les légions noires n'ont pas d'autre choix que de relâcher la pression à intervalles réguliers en provoquant un blitz électromagnétique que nous appelons le blackout. Nous y reviendrons plus tard. Bien entendu, ce phénomène de déformation brutale de l'espace-temps modifie le champ gravitationnel et électromagnétique du système environnant, engendrant des cataclysmes de grande ampleur sur toutes les planètes. Une fois
le blackout déclenché, les faux dieux verrouillent de nouveau la matrice artificielle et peuvent la maintenir ainsi durant un nouveau cycle d'environ 1000 ans. De toutes les hiérarchies évoluant au sein de la matrice originelle, les archontes étaient les bénis, les plus favorisés de tous. Ils possédaient les pouvoirs et réunissaient les capacités de toutes les autres formes d'expression du vivant. Malheureusement, une folie mêlée de rancœur et de colère avait doucement germé en eux. Ils ne comprenaient pas, en effet, comment leur supériorité indiscutable ne leur avait donné aucun droit, aucun privilège, aucune prérogative sur toutes les autres hiérarchies du royaume. L'amertume grandissait en eux tandis qu'ils s'assemblaient de plus en plus souvent pour se plaindre, projetant alentour une humeur noire dans laquelle la lumière ne pouvait plus percer. Cette humeur couvait en elle une énergie puissante. Elle grossit jusqu'à atteindre un point critique, le temps zéro, dans lequel ils se vautrèrent, grouillèrent et se multiplièrent. Ils virent alors que tout cela était bon et ils se sentirent bien. Il y eut le temps zéro et le premier temps. Le temps zéro était le temps de l'humeur noire, un amas informe qui avait emprisonné en les absorbant de nombreuses entités issues des règnes du vivant qui se trouvaient dans les parages. Les archontes se fondirent en elles. C'est cette matière noire, la mer noire, la mer de ce monde, qui accoucha de la matrice artificielle. Les hommes la connaîtraient plus tard sous le nom symbolique de Vierge Noire, celle qui enfanta le monde. Le premier temps qui suivit est donc né d'un état de chaos et de ténèbres hors du temps, engendré sous l'impulsion de cette hiérarchie primordiale qui avait nourri l'obscur dessein de fonder son propre monde, régi par de nouvelles règles où rien ne pourrait la contraindre. Ce fut le premier temps, le temps de la chute. Il y eut donc le temps zéro, et le premier temps qui fut aussi l'âge des titans. C'était bien avant le temps des hommes, avant le temps des guerres sur la Terre, une époque où le grand scénario de 26 000 ans n'existait pas encore. Au moment de l'accouchement du monde, toutes les hiérarchies piégées au sein de la matière noire furent tout à coup relâchées dans l'éther. Chacune occupa selon sa propre nature l'une des sept sphères de densité de ce monde. Il y a la septième sphère de densité, le domaine des faux dieux. La septième sphère de la matrice artificielle se concentre autour des soleils qu'elle enveloppe comme le ferait une coque invisible. Ici règnent en maître les 13 archontes et leurs lignées, ceux-là même qui sont à l'origine de l'humeur noire. Ils vivent dans cette sphère, à l'intérieur de vaisseaux gigantesques, mais également dans des structures souterraines, dans le cœur intérieur des planètes, car ces entités sont capables de passer ponctuellement et sous certaines conditions d'une sphère à l'autre de la matrice artificielle. Dans la sixième sphère se trouvent les éons. Il y a peu de choses à dire sur les éons, on n'en sait pas grand-chose. Ces entités sont très peu nombreuses et semblent vivre hors du temps. Leur taille est immense, plus grande que les planètes, et leur rythme vital est extrêmement lent par rapport au nôtre, au point qu'il semble figé de toute éternité. Dans la cinquième sphère se développent les égrégores. Beaucoup pensent aujourd'hui que les égrégores sont des entités créées par la psyché humaine qui se nourrissent de nos pensées et de nos énergies. Si les égrégores se nourrissent effectivement de nos énergies et de nos sentiments, il n'en reste pas moins que ce sont des créatures originaires de la matrice de lumière, et ils n'ont pas attendu l'homme pour naître ex nihilo.
Les égrégores sont insensibles au sort des hommes. Ils sont insatiables, ils deviennent ce qu'ils consomment, s'adaptant toujours à la fréquence des énergies qu'ils absorbent. Ils sont avides d'énergie, ce qui les rend quelque peu dangereux. Plus les foules qui les nourrissent sont importantes et plus ils deviennent puissants, il leur en faut toujours plus. C'est pourquoi ils peuvent satisfaire à certaines demandes et influencer certaines pulsions de foule pour en obtenir toujours plus de nourriture. Plus leur puissance est grande et plus ils contrôlent les groupes. Les quatrième, troisième et seconde sphères forment l'astral. Le haut astral, la quatrième sphère, fut d'abord occupé par les elfes pris au piège de la matière noire. Ces entités n'étaient pas en mesure de résister à ces nouvelles conditions. Ceux qui ont survécu sont devenus des elfes noirs au service des archontes, des faux dieux. Ils régentent désormais l'ensemble des zones de contrôle de l'astral et peuvent ponctuellement s'incarner sur Terre pour accomplir des missions. Aujourd'hui, le haut astral est réservé aux morts de notre dimension. Ces morts qui ont respecté au mieux les lois des faux dieux, soit les 10 commandements, soit la loi du karma. Le moyen astral correspond donc à la troisième sphère. C'est le purgatoire, c'est là que nous vivons. Dans le bas astral, la seconde sphère pullulent les golems, les djinns, mais aussi différentes créatures inférieures réunissant toute la gamme des démons. C'est ici que sont placées les âmes qui ont fini par sombrer dans la géhenne, les limbes de la matrice artificielle. Elles sont victimes des entités inférieures avec lesquelles elles cohabitent et qui s'en nourrissent. Il y a encore sous le bas astral la sphère de densité racine de la matrice artificielle, que j'appelle l'ombre, et qui est une sphère de densité dont, sauf exception, nul ne revient. Si les différents niveaux de l'astral font partie de la matrice artificielle, cela signifie qu'après la mort, contrairement à ce que disent les religions, nous ne rejoignons pas le paradis, le royaume originel par-delà le territoire d'Hadès, un des 13 archontes qui règne au centre de la terre et qui est considéré comme le maître des enfers. Autrement dit, nous ne rejoignons pas la matrice originelle. C'est d'ailleurs ce que nous explique le Christ au chapitre 12 de Luc. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. 12.5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, la seconde sphère est le bas astral. La troisième sphère de densité, c'est la dimension dans laquelle nous vivons. Capable de s'adapter à cette troisième sphère, nous retrouvons les quatre éléments du vivant, l'élément terre dont la concentration donnera naissance aux planètes telluriques, l'élément eau présent partout et qui est la membrane frontière entre toutes les dimensions de la matrice artificielle, l'air concentré autour des planètes, capable d'engendrer les planètes gazeuses, le feu présent partout, membrane frontière entre le monde et le royaume originel, donnant corps aux étoiles et à notre soleil. Dans cette troisième sphère se trouve aussi le peuple des fées, avec ses créatures improbables, depuis les ondines, les lutins, les gobelins, les farfadets, jusqu'aux gnomes, qui appartient au monde des éléments que l'on dit les élémentaux. Ils vivent dans notre réalité, mais se confondent avec la nature, sauf quand ils décident de se matérialiser. Parfois, dans certaines situations exceptionnelles, ils peuvent également apparaître à nos yeux. Enfin, dans cette troisième dimension, dans ce purgatoire où nous sommes, prédomine l'ADN présent en très grand nombre. Quelques mots sur l'ADN. L'observation à l'aube dans la brume d'un fan
en train de téter sa mère m'a toujours inspiré l'effroyable vision de la décrépitude et de la mort qui nous attend. Je me suis toujours interrogé sur la nature de ce monde qui nous fait toucher du doigt la beauté la plus majestueuse, qui nous la fait aimer pour, à la fin, nous priver progressivement de tout. Comment comprendre un système où le bonheur ne dure qu'un instant et où l'amertume et l'angoisse viennent remplir notre quotidien, tandis que seuls nous traversons cette vallée de larmes et de souffrances? Quel dieu de quelle religion pourrait bien avoir autant de cruauté envers sa créature? Plus j'observais et savourais la beauté inouïe de la matrice, plus j'appréciais la pureté de ses lignes, de sa réalité sous toutes ses facettes, plus j'admirais la complexité des petites choses qui s'imbriquent et la composent de l'infiniment petit à l'infiniment grand, plus je trouvais inadmissible la condition humaine. La révolte grandissait en moi. Quel dessein ignoble que d'implanter au cœur de cette création splendide un être aussi maladroit que l'homme, vulnérable, génétiquement défaillant, et pour son malheur doté d'une conscience juste suffisante pour goûter le plaisir d'être vivant, tout en sachant que ce plaisir connaîtra une fin inéluctable au terme d'une interminable déchéance. Je regardais ce monde magnifique, le ciel, les étoiles, conscient qu'il était trompeur et que quelque chose n'était pas à sa place. Pourquoi l'échange perpétuel d'énergie qui sous-tend ce monde dans toute sa cohérence et sa cohésion repose-t-il entièrement sur la consommation de lui-même, c'est-à-dire la prédation et son corollaire, la putréfaction? La biche est dévorée par le lion, le bébé tortue déchiqueté avant même d'avoir goûté au sel de la mer, partout la beauté la plus sublime et la pureté le dispute à la prédation, à la décomposition, à la dépravation, la souillure et à l'horreur. Et c'est tout cela qui fait le monde et qui fait que ce monde est en réalité l'envers d'un décor. Contrairement à la plupart de mes semblables qui, devant ce mystère, pensent que la perception humaine est imparfaite et que tout est juste dans l'univers et relève d'une raison supérieure forcément bienveillante, interprétant chaque événement de leur vie comme s'inscrivant dans un plan divin que nous ne sommes pas en mesure de saisir, je ne peux m'empêcher de penser que cette matrice est atrophiée de par sa structure même inachevée et qu'elle porte en elle sa propre malédiction. J'ai compris très vite que cette malédiction était liée à la problématique du temps. La vision de Saturne dévorant ses enfants s'est imposée à moi comme la métaphore de notre monde qui doit se repaître ad vitam aeternam du fruit de ses entrailles pour continuer d'exister et maintenir l'équilibre dans le chaos. Je me suis dit que si j'étais capable de voir et de ressentir cette réalité comme une horreur injustifiable, alors c'est qu'il devait y avoir en l'homme quelque chose d'extérieur à ce monde et qui était vrai au-delà de tout conditionnement. J'ai cherché les réponses dans les religions qui nous expliquent que tout notre malheur vient de la faute de l'homme, que c'est un mal nécessaire à notre processus d'évolution, qu'il faut accepter notre sort et nous soumettre durant toute notre existence, car c'est à cette condition que nous accéderons au paradis ou à un meilleur karma dans une autre vie. Il n'y avait aucun espoir à attendre de ce baratin infantilisant. Tout au plus, l'humanité dans sa situation de détresse extrême pouvait-elle y trouver une maigre consolation? Il n'empêche, non. Non, nous ne sommes pas sur terre pour payer une faute dont nous ne gardons pas le moindre souvenir, ni même pour grandir et nous améliorer à force de souffrance. J'ai regardé froidement la situation. Seul, un père dégénéré pourrait choisir pour mode d'éducation, afin de faire progresser ses enfants, la terreur, la torture, l'humiliation, le rejet, l'injustice, la trahison et la violence. Qui peut croire un pareil choix de la part d'une conscience divine qui aurait atteint la perfection?
J'en suis arrivé à la seule conclusion logique. Ce monde était une création imparfaite, une pâle copie de l'original, destinée à satisfaire les besoins et assouvir les déviances d'une bande de cloportes aux abois, les faux dieux. J'ai réalisé dans la foulée que l'homme n'était pas LA créature divine. Malgré son intelligence apparemment supérieure, sa domination apparente sur les éléments, c'était en réalité tout le contraire. L'homme est la dernière et la plus misérable des créatures car elle est affublée d'un symbiote, l'ego, et elle est tout juste assez élaborée pour lui permettre d'entrevoir les concepts d'immortalité et lui donner conscience de l'inéluctabilité de sa propre mort. Ceci pour effet de lui rendre la vie impossible. Mais puisque ce monde est une pâle copie conçue à partir d'une réalité originelle, je me suis dit qu'une part de l'émanation suprême devait forcément s'y trouver. Elle avait dû être détournée et piégée dans ce monde d'illusions. Logiquement, elle avait dû s'adapter à la situation et supporter sans difficulté le choc du ralentissement vibratoire brutal qui avait engendré une augmentation de la densité allant jusqu'à figer l'énergie éthérique en matière, quelle que soit la sphère de densité de l'astral dans laquelle elle pouvait se trouver. Rester à identifier cette intelligence source pour qui, au-delà de toute apparence, ce monde inabouti restait un modèle décalé dans lequel elle pouvait malgré tout continuer à évoluer et à s'épanouir. Toute créature biologique étant vouée à la décrépitude et à la mort, il ne fallait pas chercher ni du côté du règne animal, ni du côté du règne végétal. À l'échelle d'une vie humaine, le monde minéral offre bien un semblant d'immortalité, mais c'est une illusion, et lui aussi est condamné à la poussière. Il me fallait donc trouver une parfaite intelligence sur laquelle le temps n'a pas de prise. Le dénominateur commun à toutes les expériences du vivant, immortel, qui s'était adapté à la matrice artificielle au point de devenir la somme de toutes les résolutions aux contraintes et aux insuffisances de la matrice artificielle. Une pure intelligence vers qui et pour qui tous les efforts de la création convergent. Finalement, lorsque je l'ai identifié, je me suis demandé comment nous avions pu passer si longtemps à côté de cette évidence. Sans doute, l'ego, facteur essentiel de notre programmation, peut expliquer cet aveuglement. Du fait de son conditionnement, il est presque impossible, en effet, à l'homme d'admettre qu'il n'est pas le centre de la création. Pourtant, les faits sont là. L'intelligence apte à évoluer en toute harmonie en ce monde, celle qui a toutes les faveurs de la nature, c'est l'ADN. L'ADN originel est une des expressions du vivant, du royaume, une des hiérarchies conçues pour projeter la pensée divine sous une myriade de formes. L'ADN originel s'est parfaitement adapté au langage de la création artificielle au sein des différentes sphères de densité de l'astral. Il est essentiel de comprendre que dans notre monde, l'ADN que nous connaissons est une forme adaptée de l'ADN originel, comme la glace est une des formes de l'eau adaptée aux conditions locales du moment. Par conséquent, les faux dieux n'ont pas fabriqué l'ADN. L'ADN est la projection extérieure de l'énergie divine dans l'expérimentation de sa personnification. En tant que tel, l'ADN est omniprésent dans la matrice originelle. Ainsi, lorsque la matière noire accoucha du monde, provoquant un événement que la science, les scientifiques appellent le Big Bang, une infime partie de l'ADN a été prise au piège de cette nouvelle dimension. Bien que vitrifiée dans la matière du fait de la décélération vibratoire, et bien que subissant l'effet du temps qui découle
de cette densification, l'ADN a fini par s'adapter. Il demeure ainsi l'intelligence source des différentes sphères de densité de la matrice artificielle. Il est d'ailleurs toujours en lien avec la matrice originelle à travers les milliards de microsoleils autour desquels se forme chaque cellule du vivant. Ces soleils d'ADN sont des portes intérieures donnant accès au royaume. Par le biais de la reproduction des espèces, il a su défier le temps et rester immortel. Pas étonnant alors de constater que le règne du vivant s'emploie à favoriser le programme génétique de chaque espèce et l'évolution de celui-ci à travers elle, au détriment même des spécimens qui les composent. Dans la matrice originelle, tout est énergie pure et rayonnante. La prédation, qui est le socle de notre monde, du fait de la dimension temporelle, n'a pas de raison d'être dans la réalité christique, car le temps n'existe pas. En lieu et place de la prédation, le monde originel connaît l'échange, la fusion et le partage. L'ADN énergie prend une forme correspondant à une représentation de pensée de l'expression du vivant, chien, chat, lapin, lion, etc. Chacune de ces émanations rayonnantes se nourrit de l'énergie de l'autre sans rien lui amputer par simple contact et interaction, par fusion ou interpénétration. L'ADN lion va se nourrir de l'ADN gazelle sans provoquer la mort de celle-ci ni impliquer aucune notion de prédation. C'est même tout le contraire puisque la gazelle peut également se nourrir de l'énergie du lion. Nous pouvons mieux nous représenter cette communion dans le monde végétal. On comprend bien en effet que l'herbe puisse se nourrir de la lumière sans préjudice pour la lumière. Ainsi, là où nous voyons la laideur et l'horreur de la prédation dans la matrice artificielle, se trouve le beau, l'harmonieux, l'expression même de l'amour dans un miracle permanent dans la matrice originelle. L'ADN accomplit un processus profond de communication, un échange d'informations qui lui confère un perpétuel enrichissement et occasionne une explosion de mutations. Immortel par nature, l'ADN originel n'est pas soumis à la loi de la reproduction. C'est ainsi qu'il porte en lui indifféremment les deux sexes, le masculin et le féminin, comme les deux pôles d'une même expérimentation. Lorsqu'il en éprouve le désir, il se multiplie simplement par duplication. C'est l'image même du paradis éternel, inchangé et pourtant toujours en mutation. Il faut savoir aussi que le terme paradis est étymologiquement lié aux notions de jardin clos, précise le persan, et d'Éden. Dans la mémoire de l'ADN, le jardin d'Éden est la matrice originelle, où prospérait l'ADN. Le royaume était le jardin d'ADN. La coïncidence phonétique n'en est pas une. Nous verrons plus loin que l'ordre mondial actuel a pris naissance dans le sud de la France avant de retourner s'installer à Rome. Il ne faut donc pas s'étonner si la langue française porte en elle les clés du code des secrets des faux dieux. Il ne faut pas s'étonner non plus si la Genèse, cette mythologie soufflée à l'oreille des hommes par les faux dieux, aborde ces notions avec force mensonge. Ainsi, prétendre avoir placé la créature humaine dans le jardin d'Éden est une première imposture. Faire croire ensuite à l'humanité qu'elle porte la responsabilité du péché originel, c'est pour les faux dieux le moyen de s'assurer le beau rôle. Vous l'avez compris, en réalité, c'est la sécession des faux dieux qui a eu pour conséquence d'arracher une partie de l'ADN du jardin harmonieux où il se trouvait. Ce sont bien les faux dieux qui sont à l'origine de la chute, car ils sont les déchus. L'ADN originel vit une expérience individuelle déclinée à travers la multiplicité des expressions du divin. Il est donc un et multiple en même temps.
Dans notre monde, lorsque nous observons un animal, par exemple un chien, nous devrions le contempler non pas comme un chien, mais en tant que l'une des innombrables possibilités d'expression chien de l'ADN. Cela nous permet d'avoir une perception plus juste de l'infinie complexité qui nous fait face. Cela nous inciterait aussi à plus de respect et d'amour à l'égard du règne animal, bien plus proche du divin que nous le sommes. Il en est ainsi de toutes les espèces animales dont les milliards de créatures sont à l'image des cellules, une représentation différenciée, unique et autonome d'un seul et même corps, le code du vivant, l'ADN. À travers ces créatures, l'ADN se décline sous différentes enveloppes en fonction des nuances spécifiques infimes qu'il souhaite apporter à l'expression de sa propre existence. De sorte que ce que nous considérons à tort comme faiblesse, infériorité, maladresse chez l'animal, sont en réalité autant de marques de perfection, de dignité, de simplicité et d'innocence qui nous sont à jamais étrangères, nous qui sommes l'œuvre des faux dieux. Dans la matrice artificielle, l'ADN a appris à différencier son expression sexuelle pour se reproduire. Il a appris à se nourrir de lui-même pour préserver son énergie. Et enfin à mourir afin de réguler le milieu dans lequel il se trouve. Si l'animal meurt, l'ADN, lui, se perpétue tout en conservant dans la mémoire génétique l'information de tous les événements et de toutes les expériences vécues. La plus modeste créature de l'espèce la plus insignifiante est directement reliée à la somme de toutes les mémoires et le potentiel de toutes les mutations de toutes les espèces. La mort d'un animal, aussi cruelle puisse-t-elle paraître, ne doit donc pas être perçue comme une fin, car sa mémoire survit à travers l'ADN. Quand l'animal meurt, l'ADN peut éprouver de la peur, de la souffrance, de la surprise. Mais rien ne meurt au final qu'une enveloppe charnelle. Ainsi, lorsqu'il meurt, l'animal survit à travers la mémoire de l'ADN. Il est immortel. Selon les besoins d'expérimentation, telle ou telle espèce pourront apparaître ou s'éteindre. Les espèces pourront ressurgir à tout instant, spontanément, si l'ADN le décide, et si les conditions du milieu l'exigent. L'ADN est un, mais il est multiple dans son expression. Ainsi obéit-il à une hiérarchie qui est une transposition imparfaite de l'ordre qui régit le monde originel. À la différence du processus de duplication, le mécanisme de la procréation a eu pour effet de produire des liens d'attachement morbides entre les membres de même lignée qui se reconnaissent par une signature d'onde spécifique. Par le jeu des mutations à travers les générations, une même lignée peut concerner plusieurs espèces. Plus la lignée est ancienne, plus elle prédomine et impose son autorité aux autres. Autre chose qu'il faut impérativement savoir au sujet de l'ADN, il communique très facilement d'une espèce à une autre et instantanément, quelles que soient les distances, l'ADN étant une seule et même intelligence. Tout événement qui imprime sa mémoire s'inscrit simultanément dans la mémoire de tous les brins d'ADN de l'univers. Dans la matrice artificielle, la densité implique cependant une notion d'espace-temps. La communication de l'ADN au sein d'une même lignée se fera avec une vitesse équivalente à la fréquence des ondes émises par cette lignée. Au final, ce qu'expérimente une créature à l'autre bout de l'univers finira toujours par enrichir les brins d'ADN de toutes les familles, car l'ADN reste un. Pour survivre, l'ADN est donc capable de muter, d'évoluer, de réguler telle ou telle population. Si les conditions changent sur une planète, il s'adaptera à volonté. L'erreur de Darwin, tout comme celle des créationnistes, pour expliquer l'évolution, consiste simplement à avoir mis l'homme au centre de la création et d'oublier que l'ADN était une conscience autonome, une intelligence source,
chargé d'exprimer et d'expérimenter le vivant. L'ADN expérimente, il apprend, il garde en mémoire. Il a la connaissance de toutes choses et il transmet son savoir de génération en génération. Chaque être vivant dispose en effet d'une mémoire propre à sa lignée directe. Les blessures, les expériences sont transmises par cette mémoire jusqu'à cette génération. Chaque être vivant est pour l'ADN une opportunité d'expérience, un assemblage cohérent qui lui permet de franchir le rempart du temps. L'ADN est au centre du règne du vivant, il est immortel, mute lorsqu'il le décide, et il s'adapte à toutes les conditions, il est pure conscience. C'est pourquoi par nature, l'ADN lion, par exemple, n'est pas méchant. Il n'y a pas de cruauté en lui. La prédation du lion découle de la structure de cette matrice et le lion, pour survivre, doit obéir à ses lois. Et l'homme dans tout ça? L'homme tient une place à part. L'homme est une création génétique des maîtres de ce monde qui ont osé contraindre et modifier l'ADN en toute connaissance de cause, en l'affublant d'une partie d'eux-mêmes, une substance noire comme de l'encre, la bile noire, qui est le symbiote de l'homme et que nous nommons l'ego. L'homme, finalement, est une abomination des faux dieux conçus pour gouverner le monde à leur place et dont la principale utilité est de favoriser un événement cataclysmique que nous appelons le blackout. Il est très difficile d'identifier les faux dieux car ils sont les maîtres de la dissimulation et de la duplicité. Bien que fourbe et sournois, meurtrier et menteur depuis l'origine du monde, et la première étincelle du temps zéro, ils peuvent apparaître lumineux et bons, élaborer des discours d'une très haute spiritualité, d'une profondeur qui ferait se pâmer d'admiration le plus évolué des philosophes. C'est pourquoi, en la matière, confronté à l'invisible, il est essentiel de toujours s'en tenir aux faits. Ils sont les démiurges, les faiseurs de miracles, les thaumaturges, les enjôleurs, les rois de l'éloquence et de la séduction. Impossible de démêler le vrai du faux dans tout ce qu'ils racontent. Ils tissent leur toile patiemment, et lorsqu'enfin celui qu'ils convoitent découvre leur objectif secret, souvent il est déjà trop tard. Un clignement d'œil et l'ombre se referme sur lui. Beaucoup ont cru les reconnaître, sans savoir qu'ils se tenaient en face d'une illusion. Certains peuples les ont vus alors qu'ils se présentaient sous les traits flamboyants des dieux de l'Olympe, des géants hauts de 3 mètres, parfois spirituels et toujours d'une beauté majestueuse. D'autres ont cru que leurs dieux arrivaient de la mer et qu'ils étaient mi-hommes, mi-poissons. Nombreux sont ceux qui ont reconnu en eux des humanoïdes reptiliens, moitié serpents, moitié dragons. Toutes ces espèces ont très probablement existé. Elles ont même développé des civilisations tout au long de la très longue histoire de la Terre. Mais toutes ont connu le même sort que l'humanité. Créées par les archontes, sur la base d'un ADN modifié, elles ont servi durant des millénaires les intérêts des faux dieux, jusqu'à ce que leur temps soit achevé et que le dernier des derniers cycles de leur espèce ait enfin refermé la boucle. D'autres prophètes encore ont rencontré des bœufs, des cerfs, des hiboux, des animaux de toutes sortes, des petits êtres gris aux yeux profonds et noirs, des monstres ailés, des hybrides reptiliens effrayants, des insectes géants, tous doués de paroles ou télépathes et prompts à la métamorphose. Mais tous ces êtres n'étaient qu'une apparence, un leurre, des chimères, des véhicules temporaires utilisés par les faux dieux pour mieux tromper les hommes. D'autres ont également vu des créatures difformes de l'astral, des entités inférieures, des parasites à doigts fourchus, mi-crabes, mi-araignées, ou encore des sortes de cnidaires gélatineux, comme des méduses, et ce n'étaient toujours pas les faux dieux.
Les archontes n'ont rien de commun avec l'ADN et il n'y a rien de l'ADN en eux. Dans le royaume originel, ils s'apparentaient à la famille des éléments. Cependant, ils dépassaient cette famille car à eux seuls, ils possédaient les facultés et les potentiels des quatre éléments réunis. Dans la matrice qu'ils ont créée, ils peuvent donc se présenter à volonté et selon les circonstances, sous la forme gazeuse, solide, liquide et incandescente, car le feu bouillonne aussi en eux. Ils peuvent adopter toutes les formes, même celles que nous sommes à mille lieues de pouvoir imaginer. Ils sont la somme des quatre éléments. Ils sont le cinquième élément, c'est cela que sont les faux dieux, et c'est pourquoi il est si difficile de les identifier formellement. À l'état liquide, leur état de prédilection, ils sont visqueux et noirs comme du pétrole, un liquide obscur et étrange capable de passer à travers la matière la plus imperméable. Ils peuvent apparaître aussi sous la forme d'une fumée noire, d'une poudre noire plus fine et plus légère que la poussière la plus microscopique. À l'état de feu, ils sont un foyer ardent, étincelant de flammes rouges et noires qui ne se consument jamais, et qui diffusent une lumière pâle dans l'obscurité. Ils peuvent à tout moment passer d'un état à un autre et prendre à l'état solide pour quelques heures la forme et l'apparence de n'importe quel objet, de n'importe quelle créature, même humaine. Mais quelle que soit l'apparence choisie, ils ont toujours les yeux noirs. Que ce soit sous forme liquide ou de brouillard, ils peuvent pénétrer à l'intérieur de n'importe quelle espèce vivante à travers les pores de la peau. Ils prennent alors le contrôle de leur hôte à la façon d'un parasite et l'habitent quelques heures, voire quelques jours, jusqu'à ce que l'ADN se désagrège, consumé par un feu intérieur. Dans tous les cas, ils redoutent la lumière du soleil car ils ne peuvent supporter le rayonnement en provenance de la matrice christique. Si nous pouvions capturer un échantillon de cette fumée noire flottant dans les airs et si nous pouvions l'observer au microscope électronique, nous nous rendrions compte qu'elle est en fait composée de milliards de tout petits serpents noirs luisants. Fusionnant en une seule conscience, ils sont la monade, dotée d'un cerveau mère. Séparés, ils sont la horde, la multitude, les légions, et se meuvent en blocs composés de milliards de ces petits serpents, comme dirigés par un cerveau autonome. Sous forme de légion, ils peuvent prendre toutes les apparences et se présentent aux hommes comme s'ils étaient des dieux. En réalité, ils sont les profanateurs de monde. Ils grouillent dans le pétrole auquel ils insufflent leur pouvoir, ce qui leur permet d'étendre leur influence sur toute la surface de la Terre. Leur toute-puissance est naturellement centralisé dans les pays producteurs. Il y a évidemment l'Arabie Saoudite. Notez que c'est ici que se trouve la Mecque et en son centre la Kaaba, un cube à l'angle sud-est duquel se trouve la pierre noire, vénérée par les hommes depuis les temps immémoriaux. Une pierre qui fut brisée par un coup violent et dont les morceaux sont réunis de nouveau. Les pèlerins doivent tourner autour de cette pierre noire à 7 reprises, symbolisant les 7 sphères de densité de la matrice artificielle dans laquelle nous sommes tous enfermés et nourrissant ainsi un immense égrégore. Parmi les pays producteurs de pétrole, on trouve l'Iran, l'Irak, la Russie, la Chine, les États-Unis et tant d'autres nations encore. Arrêtons-nous un instant sur le Kazakhstan dont la nouvelle capitale surgit de terre récemment est entièrement dédiée aux archontes. Cette ville, bâtie avec l'argent du pétrole, a pour nom Astana, c'est-à-dire à Satan. Autre zone de concentration des faux dieux, le Texas. À noter que parmi les 4 derniers présidents américains, 2 proviennent du Texas et un troisième de l'Arkansas, un état voisin dont nous reparlerons. Les légions noires s'infiltrent depuis le centre de la Terre et remontent jusqu'à la surface où elles peuvent se concentrer dans des lieux conçus exprès pour les accueillir. Des lieux de culte, des lieux de cérémonie et de rituels de tout ordre. On reconnaît ces sites par leur sol, généralement pavé de noir et de blanc. C'est là qu'ils se concentrent, invisibles à l'œil nu, sur les dalles noires.
Stanley Kubrick, initié au secret de la matrice, choisit un monolithe noir pour représenter la divinité dans son film culte 2001, l'Odyssée de l'espace, et ce n'est nullement un hasard. Alors, si nous nous en tenons à la représentation du monde tel que la NASA nous le présente, nous pouvons dire que les faux dieux sont présents dans tout le système solaire. Il n'empêche, la septième sphère est leur domaine de prédilection. Cette sphère est située au plus près des soleils intérieurs des planètes qu'ils parasitent. Ils vivent et règnent à l'intérieur des planètes, sous la surface, ce qui leur permet de surveiller les portes donnant directement sur la matrice originelle. La tradition nous enseigne que dans le premier âge temporel, les titans parvinrent à isoler et à stabiliser notre système solaire dans une dimension intermédiaire. Commença alors pour eux le grand partage du pouvoir sur les planètes qui déboucha sur des conflits tutélaires. Une histoire que nous connaissons sous le nom de « Guerre des titans ». Cette période s'acheva avec la disparition forcée des démons anciens et leur mutation en une forme de vie plus adaptée au temps nouveau. Ce fut un temps suspendu de la matrice artificielle durant lequel chaque expression de la vie s'adapta à la nouvelle situation sans interférer sur les autres. Mais la Légion Noire, la force primordiale à l'origine de ce chaos, était toujours à l'œuvre dans les profondeurs de l'astre noir. Un long temps en sommeil, après avoir failli se perdre lors des guerres titanesques, elle était en train de s'éveiller et de se diviser en multitudes, en légions. Ni la brûlure, ni la douleur n'avaient pu apaiser sa folie et sa colère. La Horde se relevait de son premier échec et travaillait déjà à de nouvelles alliances pour recouvrer sa puissance et sa domination sur l'œuvre dégénérée qu'avait conçue son imagination morbide. Une création qui est en porte-à-faux par rapport au royaume, ce langage mathématique à multiples dimensions qui n'a de cesse d'essayer de la réintégrer dans son équation. C'est d'ailleurs une des tentatives de correction de la matrice originelle plus puissante que les précédentes qui mit un terme définitif au monde des titans dont nous retrouvons encore quelques traces sur la Terre. Des 13 entités originelles, il n'en restait plus que 7 plus 2 plus 1 pour régner sur toutes les lignées. Le second temps, le temps de la matrice artificielle telle que nous la connaissons commence après la mutation des titans et leur adaptation sous forme de monades, capables de se dissocier pour créer les légions noires et les faux dieux, des entités polymorphes. Le second temps concerne une période qui se compte en centaines de millions, voire en milliards d'années. Le second temps a vu éclore plusieurs espèces dominantes sur la Terre, toujours sous contrôle des archontes. L'époque actuelle est dominée dans cette zone de la matrice artificielle par l'espèce humaine. Nos plus vieux textes nous comptent des événements qui se rapportent au dernier cycle de 26 000 ans du second temps. Ces légendes anciennes décrivent les turpitudes de ces dieux belliqueux et cruels qui côtoyèrent les hommes sous diverses apparences en fonction des espèces antérieures qu'ils choisissaient d'utiliser pour apparaître aux hommes. Dans les textes sumériens, on les a appelés les Anunnaki. Dans la Bible, on les a appelés les Elohim. Les Grecs les appelleront les Olympiens, etc. Tous ces récits nous révèlent que le temps n'a en rien apaisé la nature des archontes. Au contraire, le cortège d'abominations dont ils se sont rendus coupables a renforcé leur détermination et les a endurcis sans jamais étancher leur soif de puissance, et sans jamais calmer la colère qui gronde en eux. Car en créant ce système, ils s'étaient rendus compte, trop tard, qu'ils s'étaient piégés eux-mêmes. Leur rébellion serait un voyage sans retour.
Il est important de comprendre que les faux dieux sont des étrangers au cœur même de la matrice qu'ils ont conçue. Ils sont à la fois à l'extérieur et au centre de celle-ci. Ils disposent d'un crack-code leur permettant d'interférer avec la matrice artificielle et de la modifier à volonté, mais ils ne peuvent se manifester directement à l'intérieur de cette matrice. Ils sont infiniment libres et en même temps esclaves des règles et des lois qu'ils ont mis en place, contraints d'adapter perpétuellement leur œuvre, de moduler et de composer avec des énergies immenses pour maintenir leur création en équilibre. C'est ainsi que les légions eurent l'idée de manipuler l'ADN afin de créer des robots biologiques destinés à servir leurs intérêts et grâce auxquels ils pourraient enfin asseoir leur pouvoir sur la matrice. Aujourd'hui, à en croire la NASA, nous envoyons dans l'espace des sondes qui explorent le système solaire à notre place. En toute logique, l'évolution de la science nous permettra un jour d'envoyer des androïdes sur des planètes hostiles. C'est la meilleure façon d'explorer un milieu dans lequel nous ne pourrions pas vivre. Si demain, nous en avions la possibilité, l'ultime développement de la conquête spatiale nous amènerait à concevoir et à envoyer dans l'espace des cyborgs conçus à notre image. Dans la troisième sphère de la matrice artificielle, notre dimension, les faux dieux qui sont contraints de vivre à l'intérieur des planètes sous la surface et de se déplacer d'une planète à l'autre dans des caissons isolants que nous appelons les ovnis, rien à voir avec les ovnis tôles et boulons qui sont de fabrication humaine, ont opté pour une solution similaire afin de coloniser leur monde. Il leur a été facile de concevoir un robot entièrement basé sur les briques d'ADN présentes en abondance dans tout le système solaire et qui offre de grandes possibilités d'adaptation et dont l'une des facultés essentielles est de pouvoir se réparer elle-même. En fonction de l'évolution des conditions de vie sur la Terre, ils ont donc successivement façonné différentes créatures à partir d'échantillons d'ADN existants à l'état naturel. Leur but était d'obtenir des êtres corvéables, capables d'effectuer à leur place, sans protection, toutes sortes de missions dans un milieu qui leur était hostile. Des millénaires s'écoulèrent ainsi, comme s'écoulent les jours, et les jours étaient pour eux comme les millénaires, jusqu'à ce qu'arrivent les jours d'aujourd'hui qui sont les jours des hommes. Si l'on tient compte de ce que nous avons dit plus haut au sujet du jardin d'Éden et de l'ADN, comment faut-il comprendre ce passage de la Bible ? Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce l'homme qui doit cultiver et garder le jardin d'Éden ? Ou bien est-ce l'Éternel qui doit éduquer et surveiller l'homme après l'avoir créé sur la base d'un champ d'ADN ? Le milieu ufologique a fait un travail considérable de remise en question au cours des 40 dernières années. Un travail que n'a malheureusement pas produit le reste de la population mondiale qui accuse un terrible retard et une ignorance profonde vis-à-vis de toutes ces questions. Il est désormais presque complètement acquis pour une grande majorité de la communauté ufologique que les « entre guillemets extraterrestres » ont été pris pour des dieux et que ces faux dieux, qui sont les maîtres du monde, ont joué un rôle important dans l'apparition de l'Homo sapiens. Quant à ceux qui n'adhèrent pas à cette thèse, ils ont au moins été exposés depuis longtemps à ces concepts. Ils ont engagé une réflexion et accueillent l'hypothèse, sinon avec bienveillance, en tout cas avec ouverture d'esprit. Je ne veux pas dire que les ufologues ont raison sur tout. Je dis simplement que sur cette question, au moins, un travail d'acceptation a été accompli. Ce n'est pas rien. Les textes anciens, à commencer par la Bible, rapportent cette création avec force détail. Ils sont si explicites que le seul vrai mystère pour un esprit rationnel, finalement, réside dans le fait que des milliards d'individus sur la planète continuent aujourd'hui à passer à côté d'une vérité aussi limpide, tout en se maintenant dans une inféodation totale vis-à-vis des cultes archaïques et absurdes que sont les religions. Ces mythologies d'un autre temps qui cachent des vérités que nous sommes désormais largement en mesure de décrypter, conservent
dans nos sociétés, contre toute logique, une influence considérable au point qu'il ne se passe pas une semaine sans que les grands de ce monde ne soient réunis dans une église, un temple, une mosquée. Cela démontre non seulement que toutes ces institutions religieuses sont des instruments de contrôle des peuples entre les mains des puissants, mais aussi que ces derniers savent qu'ils tiennent leur pouvoir de leur propre soumission à un système multimillénaire tout-puissant et que la moindre remise en question de leur part sera, d'une façon ou d'une autre, sanctionnée irrémédiablement. Les religions répondent à un conditionnement renforcé par l'instinct grégaire des hommes qui est très puissant. Sans doute, les hommes pensent-ils trouver dans la religion une consolation, un confort, un réconfort et un repère, car les gens ne savent pas qu'ils ont tout cela en eux. On ne nous a pas appris comment puiser en nous cette force. En réalité, la ferveur religieuse nourrit des égrégores enfermés dans la cinquième sphère de ce monde et qui sont eux-mêmes entièrement soumis à la volonté de la monade. Depuis des millénaires, si l'on s'en tient à la chronologie officielle, les organisations religieuses ont accompli exactement le contraire de ce pourquoi elles prétendent avoir été créées. Elles ont été responsables, ou tout au moins ont servi d'alibi et de support, à d'innombrables guerres, mensonges, massacres et autres abominations. Elles nous ont inculqué une relation au divin qui nous diminue et nous infantilise. Nous en sommes réduits à prier pour demander la protection d'un Dieu puissant, comme un petit commerçant demanderait protection à un parrain de la mafia locale. Est-ce digne de l'idée que nous nous faisons de notre lien avec la divinité? Ce lien n'est-il pas plutôt à l'image d'une relation imposée par un démon? Tout cela, nous le savons, ce n'est pas nouveau, bien d'autres l'ont dit avant moi. Tout ce qui est répété aujourd'hui a été dit hier et sera oublié demain. Rien ne change, tout passe, tout glisse à travers les siècles comme si rien ne pouvait atteindre l'esprit religieux. Le jeu est faussé depuis le début. Le nœud du problème se situe dans le symbiote. Et le symbiote étant l'homme, cette créature artificielle générée par modification forcée de l'ADN. Comme toutes les espèces précédentes, la créature humaine devait répondre à plusieurs exigences. Elle devait être à la fois un hôte potentiel, un esclave, et une source d'alimentation pour les nombreux alliés des légions noires contraints de se terrer dans les profondeurs de la Terre. Pour perpétrer ce projet funeste, les faux dieux ont donc incorporé à l'ADN humain une infime partie d'eux-mêmes, la bile noire. Cette substance extraite de leur propre lymphe allait avoir pour effet de parasiter l'ADN en se développant à partir de la rate de l'animal humain jusqu'à en prendre le contrôle. Ce symbiote, qui réside dans chaque cellule du corps humain, obstruant tout ou partie des microsoleils d'ADN, est le foyer véritable de l'ego. C'est l'ego, le symbiote de l'homme. C'est pourquoi Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15:39 « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » L'ADN augmenté de cette substance allait donner naissance au virus humain, un super prédateur agissant comme un virus pour son environnement. Pour neutraliser le caractère foncièrement rebelle hérité de leur propre nature, les faux dieux ont concentré dans cette bile noire, comme ils l'ont toujours fait, certains facteurs comme les constantes de la peur et de la soumission. Ils ont ainsi programmé l'ego en lui conférant un esprit de troupeau, un penchant inné à la vénération des hiérarchies invisibles et une perméabilité totale à toutes sortes de conditionnements. L'ego devait être doté d'une acuité d'observation très développée, d'un sens d'analyse et de critique très poussé. Cependant, les légions firent en sorte qu'il ne puisse jamais se regarder lui-même, ce qui aurait pourtant été la condition de sa perfectibilité. L'ego n'était pas conçu pour être auto-perfectible, mais pour répondre à un conditionnement précis dans un but précis et ajustable, selon les situations.
Ainsi, l'ego qui voit si parfaitement les tenants et aboutissants de son environnement extérieur est incapable de s'étudier lui-même et de se regarder en face, tout comme un vampire qui ne peut pas contempler sa propre image dans un miroir. La bile noire, dotée de sa programmation complexe, devait servir aussi d'émetteur-récepteur offrant une connexion à distance qui permettrait aux légions de lui communiquer des ordres, de l'influencer et de le guider. On parlera d'expériences chamaniques, de voix qu'entendent les prophètes, d'inspiration d'ordre artistique ou scientifique, etc. Ce lien direct sur lequel la créature ne devait avoir aucun contrôle servirait en temps réel à mettre à jour la programmation de l'animal humain. Les légions noires ont prévu plusieurs portes de sortie, plus ou moins radicales, visant à contrôler le développement de la créature humaine. Les notions d'émancipation et de libre arbitre ne faisaient sûrement pas partie de leur projet lorsqu'ils ont conçu ce qu'ils considéraient comme un robot biologique dont l'intelligence artificielle avait été programmée et configurée pour servir. Sous certaines conditions, les faux dieux devaient également pouvoir habiter le corps du virus humain. Certaines lignées allaient donc être conçues à partir d'un ADN artificiel, c'est-à-dire n'ayant jamais figuré dans le livre de vie, et qui seraient capables de recevoir une très grande concentration de cette bile noire. Nous les appellerons les sangs noirs. La concentration de bile noire en eux leur permet d'accueillir temporairement les légions noires elles-mêmes. Alors qu'un être humain standard se consumerait au bout de quelques heures, les membres les plus purs des lignées de sang noir peuvent survivre et résister à la dégénérescence génétique durant 2 à 3 ans. C'est ainsi que les faux dieux peuvent effectuer de temps en temps des incursions dans ce monde sans subir la dégradation accélérée du temps. Une fois habités par les légions, les sangs noirs sont dotés d'une force inouïe et acquièrent certains pouvoirs. Si en revanche, la lignée de sang noir n'est pas assez pure, si l'individu hôte est issu d'une branche bâtarde et pour peu que la possession se prolonge, alors le possédé perd rapidement la raison. Il se comporte comme un être démoniaque habité par des démons. L'aventure qui arrive à Jacob dans le livre de la Genèse nous donne un bel exemple de sang noir habité par les légions noires. Jacob 32:1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu » et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève ». Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur ». Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom ». Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Ce passage nous apporte 3 informations importantes. La première, c'est la facilité avec laquelle les légions noires changent les noms des uns et des autres à la moindre occasion, comme on changerait le nom de son bétail. La seconde, c'est le fait que le sang noir repartira sans révéler son nom à Jacob. La troisième information concerne la nature des faux dieux, et plus particulièrement le fait que, même à l'abri d'un corps humain, ils ne peuvent supporter les rayons du soleil, une caractéristique partagée avec les vampires. « Laisse-moi aller, lui dit-il, car l'aurore se lève. » Ce détail révélateur nous confirme que les légions ne sont pas adaptées à la vie sur Terre. Ils ne peuvent séjourner parmi nous que sous certaines conditions et durant un laps de temps limité. Nous verrons un peu plus loin pourquoi les faux dieux ne peuvent tolérer le flux électromagnétique du rayonnement solaire. Voici maintenant dans l'évangile de Marc un autre exemple de sang noir habité par les légions. Marc 5:2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur.
Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Un peu plus loin, on retrouve Jésus qui dit à cet homme « Sors de cet homme, esprit impur !» Et il lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Encore un peu plus loin, comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Si le maître christique n'autorise pas l'homme à le suivre, c'est qu'il sait que celui-ci demeure, quoi qu'il arrive, un sang noir, et que coule dans ses veines une très forte concentration de bile noire qui lui interdit toute grâce, car son nom ne figure pas dans le livre de vie. Le robot idéal ne s'est pas fait en un jour. Les faux dieux lancèrent d'abord un programme de production de clones, mais celui-ci s'avéra très contraignant. Il fut abandonné au profit de la fabrication d'une créature capable de se reproduire, l'Homo sapiens. Le travail des faux dieux en fut grandement simplifié, se réduisant désormais à une surveillance d'un système chaotique conçu pour s'autoréguler en permanence. Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses, un savant cocktail fut élaboré. Le virus humain, mariage de l'ego et de l'ADN, était né à la grande satisfaction de ses créateurs. La créature était viable et apte à remplir toutes les missions qu'on attendait d'elle. Contrôlée, contrôlable et programmable selon les circonstances, elle allait pouvoir diriger en leur nom et à leur place la destinée de tout ce secteur de la matrice artificielle. Les faux dieux s'étaient arrangés pour que l'homme ne soit ni trop stupide, ni trop intelligent, ni trop fragile, ni trop résistant. Le plus important à leurs yeux était de le maintenir dans l'ignorance de sa condition, car cette ignorance avait l'avantage d'optimiser son efficacité et son rendement, tout en exacerbant jusqu'au fanatisme sa vénération à l'égard de ses créateurs. De fait, constatant sa situation unique dans le règne animal, l'homme s'imagine qu'il est un être supérieur, un élu, alors qu'il est en réalité le contraire, une abomination créée par des démons. Il est vrai que, malgré tous leurs efforts, les faux dieux n'étaient jamais parvenus à éteindre totalement le trop-plein de rage qui bouillonne en l'homme et menaçait à chaque instant d'exploser. Il a donc fallu régler progressivement le curseur de son espérance de vie, le doter d'une vie pas trop courte pour qu'il puisse acquérir suffisamment d'expérience et qu'il ait le temps de la transmettre aux générations suivantes, et pas trop longue, de façon à lui interdire toute prise de conscience qui aurait pu le conduire à la révolte. Régler ce paramètre était une gageure pour des entités dont l'existence échappait depuis toujours aux contraintes du temps. Finalement, le curseur de la longévité des hommes fut fixé après le tragique événement connu sous le nom de déluge. C'est ainsi que débuta enfin le temps des hommes, le temps des guerres sur la Terre. Ce système présentait cependant ses inconvénients. Le rendement du bétail humain vivant à l'état sauvage était beaucoup moins contrôlable qu'une production industrielle de clones domestiqués et élevés en batterie. Il y avait alors sept grands chefs qui se partageaient ce secteur de la matrice artificielle au nom de la monade. La Terre était une des trois planètes les plus prisées dans cette sphère de dimension. Implantée sur différents territoires sujets à des climats très variés, les troupeaux humains connaissaient des fortunes diverses. Saison après saison, certaines peuplades prospéraient tandis que d'autres périclitaient. Cette disparité commençait à poser des problèmes parmi les légions noires, naturellement promptes à la querelle et à la jalousie. La nature ombrageuse de cette horde l'inclinait naturellement à la violence, à la destruction et au néant. Ne voulant pas reproduire le désastre de l'ère des titans, les faux dieux tinrent conseil. Tous consentirent à se contenter du territoire que le sort leur avait attribué sans jamais tenter de rogner sur le territoire voisin. Une nouvelle loi fut promulguée établissant des règles de non-affrontement et de non-intervention directe.
Il fut décidé aussi qu'ils régleraient désormais leurs conflits selon des protocoles très stricts et toujours par troupeaux humains interposés, de sorte qu'ils trouveraient à se divertir de ces batailles auxquelles ils participeraient comme on participe à un jeu sans jamais risquer de se laisser déborder par la haine. Ils renoncèrent également aux rapines des humains appartenant aux terres du voisin. Pour s'assurer que le serment des sept serait bien respecté, le bétail humain fit alors l'objet d'un vaste programme de modification génétique visant à mettre en place certains facteurs d'identification infalsifiables. Ils détournèrent quelques-unes des capacités qu'ont les gènes à commander ponctuellement des adaptations aux conditions environnementales de façon à les inclure définitivement dans le patrimoine génétique, le but étant d'identifier l'appartenance de chaque animal humain au premier coup d'œil. La distinction s'appuya essentiellement sur un code couleur associé à une autre constante qui serait propre à chacun des sept domaines. Le processus de fabrication par les gènes de la mélanine à plus ou moins forte dose pour protéger la peau des rayonnements solaires faisait parfaitement l'affaire. La mélanine fut donc adaptée pour devenir un élément permanent du patrimoine héréditaire. Ainsi, de même que la couleur d'un maillot marque l'appartenance à telle ou telle équipe sportive, la couleur de la peau devint une marque d'appartenance à un des sept grands propriétaires de l'espèce humaine. Le génome de la créature humaine fut donc divisé en sept grands groupes biologiques que la science reconnaît aujourd'hui à l'humanité. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que tous les humains possèdent un génome à 99,9% identique. C'est un cas unique et sans équivalent dans la nature, et pour cause. En effet, cette extraordinaire configuration génétique ne se retrouve chez aucune espèce mammifère issue des règles naturelles de la matrice, chaque espèce ayant une variation génétique infiniment plus riche et uniquement contrôlée par l'ADN. Cet aménagement favorisa une paix relative entre les sept. Le code couleur jouait parfaitement son rôle dissuasif, rendant inutile toute tentative de vol de bétail. Ce dispositif avait permis, tant bien que mal, d'assurer la paix entre les lignées de légions qui continuaient cependant de se disputer pour des questions d'hégémonie et de pouvoir par l'intermédiaire des troupeaux humains manipulés. Cette paix n'était donc pas pour le virus humain qui n'en ressentait jamais les effets. Depuis la septième sphère de densité, dans l'invisible, les sept grands faux dieux régnaient en propriétaires cupides sur des territoires aussi vastes que des continents. Ils s'appuyaient sur des barons issus de leur lignée qu'ils mettaient à la tête d'immenses domaines. Les barons appartenaient eux aussi à l'invisible. Ils œuvraient depuis l'invisible et veillaient à la progéniture des sept, c'est-à-dire les sangs noirs, les héros et les rois des temps anciens. Les barons devaient ainsi assurer la gestion des territoires et rendre des comptes sur le rendement produit par le troupeau humain. La nature des faux dieux étant ce qu'elle est, les rivalités entre barons d'un même propriétaire étaient monnaie courante. Les querelles éclataient sous le moindre prétexte. Elles dégénéraient en guerre, elles aussi, entraînant le malheur et la misère chez les hommes, produisant des milliers de captifs transformés en esclaves et provoquant l'extermination de pans entiers du cheptel humain. Parfois, il arrivait que les propriétaires eux-mêmes se prêtent au jeu et se mêlent au conflit, par vice ou par colère, avec la rage et la cruauté qui les caractérisent. Alors, les hommes entendaient trembler le ciel et la terre, et les troupeaux humains étaient décimés sous le feu de la colère des faux dieux. En ce temps, les hommes savaient pourquoi ils devaient craindre les dieux plus que la mort elle-même. Les textes de l'Inde ancienne, comme par exemple le livre 7 du Mahabharata, ont produit des rapports très détaillés de ces temps de barbarie. En voici un exemple. Un projectile flamboyant, brûlant d'un feu sans fumée, fut envoyé. Une profonde obscurité enveloppa soudain les troupes. Tous les points de l'horizon furent envahis par les ténèbres. Un vent mauvais se mit à souffler, des nuages grondants tomba une pluie de sang. Les éléments semblaient bouleversés. Le monde, grillé par la chaleur de cette arme, était en fièvre. Les éléphants, brûlés par l'énergie de cette arme,
courait affolé, cherchant à se protéger de cette terrible force. L'eau elle-même étant chauffée, les créatures qui y résident mouraient. Les ennemis tombaient comme les arbres dans la rage d'un incendie. Les énormes éléphants brûlés par cette arme tombaient çà et là. D'autres atrocement brûlés couraient de droite et de gauche, barrissant au milieu de la forêt en flammes. Les chevaux et les chars, brûlés par l'énergie de cette arme, ressemblaient aux troncs d'arbres consumés. Des milliers de chars tombaient de tous côtés, puis l'obscurité cacha l'armée tout entière. Des vents frais se mirent à souffler. Tous les points de l'horizon s'éclaircirent et s'illuminèrent. Puis, nous vîmes un spectacle extraordinaire. Consumés par la terrible puissance de cette arme, les cadavres n'étaient même pas reconnaissables. Nous n'avions jamais rien vu de semblable. Nous n'avions jamais entendu parler de cette arme. Voyant que toutes ces guerres leur portaient gravement préjudice et finiraient à la longue par causer leur perte, les faux dieux se rangèrent sous l'autorité d'un des sept, le plus cruel, le plus machiavélique de tous. Yahvé, ou quel que soit son nom alors, prit ainsi possession de la terre. Aussitôt, il mit en place toutes sortes de mesures lui assurant un pouvoir absolu et permanent. Et il décida de créer autant de sous-divisions génétiques qu'il y avait de domaines sur la terre. Marquer ainsi le bétail humain permettait d'éviter les rapines et de calmer pour un temps certaines rancœurs entre baronnies. C'est ainsi que la science dénombre aujourd'hui pour chacun des sept groupes biologiques principaux 5 à 10 sous-groupes existants. Pour des raisons pratiques, ce système de classification fut décliné à l'infini. Imitant les barons, les lignées de sang noir dans cette troisième sphère de densité qui est la nôtre, gardiens du troupeau humain, mirent en place de nouveaux codes indélébiles pour différencier les groupes selon leur lignée, leur rang, leur attribution, puis les individus selon leur statut. Avec le temps, ce système s'est encore décliné, descendant un à un tous les échelons de la pyramide, jusqu'à être repris par les plus petits chefs de tribus des hommes. Évidemment incapables de craquer les codes génétiques comme le faisaient les légions, les chefs de clan utilisèrent la mutilation, les tatouages, les scarifications et les piercings pour déterminer l'appartenance et le rang social des membres de leur tribu, et ces derniers firent de même avec leur propre bétail. L'épisode de Caïn dans la Genèse nous montre bien le rôle et la généralisation de ces pratiques. Genèse 4:5. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. La mode des rites tribaux, tatouages, piercings, associés d'ailleurs à l'utilisation d'implants, est en train de revenir avec force dans nos sociétés, comme quoi finalement, la condition humaine n'a pas changé au cours des millénaires. Et tout se répète. Cette mode et le retour en force de l'esprit religieux annoncent les préparatifs d'un grand événement attendu dans les années et décennies à venir. Un événement dans lequel l'humanité aura sa part, car le virus humain sera amené à remplir pleinement le rôle que les faux dieux lui ont assigné et qui est sa véritable raison d'être et le point culminant où doit le conduire son destin. Les gens ignore que les pratiques tribales, avant d'être esthétiques, secrètent une symbolique d'allégeance et de soumission. De fait, ces marques indélébiles imprègnent l'ADN et modifient légèrement sa fréquence d'émission. Elles agissent comme une signature dans l'invisible, comme des balises clignotantes dans le filigrane de la matrice artificielle. Le virus humain a été conçu comme une antenne biologique mobile, à la fois réceptrice et émettrice. Les altérations de l'ADN, quelles qu'elles soient, sont des repères faciles et donc des points d'ancrage pour le parasitisme. Les textes anciens constituent la mémoire des hommes du temps où les contacts avec les dieux étaient encore assez fréquents. Moitié esclaves, moitié joués entre les mains de la monade, les hommes étaient alors les témoins et les victimes des débauches, des bassesses et des vices permanent des légions noires. Le peuple de Sumer et de Babylone craignait les noms d'Enlil, Enki, Baal, Marduk, Ishtar,
Les Grecs tremblaient à l'évocation du Kourou, des dieux de l'Olympe. En Inde, où régnait la cruelle progéniture hybride des faux dieux, les noms de Shiva, Rama, Valadeva, Kanra, Jarsanda inspiraient la terreur. Les différentes mythologies nous apprennent que les mêmes dieux, ayant les mêmes attributions, se présentaient aux hommes sous divers aspects et sous des noms différents en fonction de la cité, mais aussi de l'époque. Ainsi, le Panthéon des Romains était une actualisation de l'Olympe des Grecs, et on peut supposer que nombre des premiers saints chrétiens sont en réalité des extensions de ces dieux anciens ayant une fois de plus changé de nom. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne notre passé, tout a été embrouillé, mélangé, fusionné. Depuis quelques milliers d'années, les liens que les légions noires entretenaient avec l'humanité semblent quelque peu distendus. Les spectaculaires démonstrations de force si fréquentes dans les mythologies anciennes et que l'on rencontrait sur les tablettes sumériennes, dans la Bible, les codex ou encore dans les textes sanscrits de l'Inde ancienne comme le Mahabharata, ne semblent plus d'actualité. Est-ce à dire que les légions ont quitté le secteur ? Il n'en est rien. Leur obsession de vivre caché s'est accrue. Ces entités unies autour d'un chef, Yahvé, ont progressivement mis en place un grand scénario d'une efficacité redoutable dans le but de pérenniser leur situation. N'oubliez pas que dans cette troisième sphère de densité qui est la nôtre, ils ne sont pas adaptés à la vie sur notre planète. Leur mode de contrôle a donc tout simplement évolué à mesure qu'il faisait évoluer les sociétés humaines. Jaloux de son pouvoir, Yahvé, le leader des légions noires, que nous appellerons le grand monarque, expression dérivée des termes monade et archonte, dont il émane, ou encore le roi du monde, car il est réellement le maître absolu de cette zone de la matrice artificielle, a imposé le monothéisme de façon à éteindre toute tentation de rivalité dans l'esprit de ses congénères. Sûr de son emprise sur les hommes, mais désireux de garder ses distances avec la créature inférieure, il a favorisé l'émergence sur Terre d'une caste d'individus dévoués à sa cause qu'il a chargé de la gestion des affaires courantes. Tous appartiennent aux lignées de sang noir. Ce furent d'abord les héros anciens, la progéniture hybride issue de l'accouplement de la Légion avec les femelles humaines. Ils furent les premiers rois partout à la surface de la Terre, et dont la descendance, les sangs noirs, est chargée aujourd'hui de garder le troupeau humain. Ainsi, les abjections, l'immoralité et l'ignominie dont les faux dieux étaient si familiers n'ont pas pris fin, mais ils se perpétuent dorénavant dans une discrétion relative. Quant aux sacrifices humains et aux bûchers qui visaient autrefois à régaler leurs alliés des autres sphères de densité, tout en inspirant la terreur, ils ont été remplacés par les guerres de religion qui n'ont rien à leur envier en termes de barbarie. L'humanité est donc plus que jamais sous le joug de cette horde de démons dont le chef, connu actuellement sous le nom de Yahvé, et qui s'était fait connaître autrefois sous d'innombrables noms à travers les âges et les religions du monde, est en réalité celui dont on ne connaîtra jamais le véritable nom et dont le chapitre 19, verset 12 de la Révélation dans le Nouveau Testament nous dit que « ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même ». Il est une chose bien pratique avec les textes anciens, c'est que même si les événements qui y sont relatés ne sont pas toujours clairement explicités, ils répondent néanmoins toujours à une logique invisible très cohérente qui nous en dit beaucoup sur la nature de la matrice artificielle. Cette cohérence prouve du reste que le livre s'inspire de lois réelles ou de faits réels, souvent mal interprétés, mal compris ou sciemment mal formulés et déformés par les scribes.
Cette cohérence va nous permettre de vérifier le bien fondé de nos affirmations. En effet, notre lecture qui prétend exhumer le sens caché des Écritures devra s'inscrire dans cette logique qui court en filigrane tout en trouvant confirmation dans les parties intelligibles du texte. À présent, parlons de l'histoire secrète des hommes, tout en sachant que la vérité ne nous est pas totalement accessible. Ainsi, dans un premier temps, prenons de la hauteur et regardons l'histoire humaine depuis un point d'observation situé très loin dans l'espace. Le chapitre 19, verset 25 du livre d'Isaïe, nous apporte un éclairage important sur une période charnière du début du grand scénario tel qu'il a été conçu par les faux dieux. Par là même, il nous indique le rôle du grand monarque dans la fondation de plusieurs civilisations. Isaïe 19:25. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Nous pouvons déduire de cette phrase qu'à un moment donné dans l'histoire de la Terre, le chef des faux dieux, en tout cas c'est ce que nous disent les livres, le chef des faux dieux a fait rassembler une partie du troupeau humain en Égypte pour y établir son domaine personnel. C'était bien longtemps après la catastrophe connue sous le nom de déluge, mais bien avant le ravage de Sodome et Gomorre. En Égypte, où le troupeau venait d'être rassemblé, les légions au service du chef se sont particulièrement occupées de l'éducation de la créature humaine, de sorte qu'elles favorisèrent la naissance et l'évolution d'un nouveau peuple, afin qu'ils soient plus aptes à les vénérer et à servir leurs intérêts. La même chose se produisait d'ailleurs sur Terre avec d'autres peuples à la même époque et s'était également produit à des époques différentes. Ici, nous nous occupons seulement de ce que révèle Isaïe. Le commandant en chef, avant de devenir le Yahvé des Hébreux, adopta de très nombreuses identités en Égypte, selon les périodes et l'image qu'il souhaitait donner de lui. Amon est le nom par lequel il se fit connaître des Égyptiens durant le Nouvel Empire. Il porta naturellement une attention toute particulière à son peuple. Attentif comme un éleveur, il mit en place tout un programme de sélection génétique visant à faire prospérer son cheptel. Il veilla à la qualité de la nourriture. Il imposa des règles sociales strictes afin de favoriser les accouplements des individus appartenant aux mêmes castes. Il régula ainsi et contrôla la reproduction de l'espèce. Comme tout bon éleveur, il veilla à la bonne santé de son peuple. Enfin, pour faciliter son contrôle et pour ne rien laisser au hasard, il initia une caste à part au sein même du clergé qui fut chargée de pratiquer les rituels secrets du baptême sur tous les nouveau-nés. Le roi du monde savait que l'homme, cette créature fragile, craintive et ignorante, était porteur du symbiote des faux dieux et avait donc hérité de leur nature rebelle et indisciplinée. Ce trait de caractère ne convenait pas aux attributions qu'il attendait de la part des gardiens du troupeau. Il résolut donc de conditionner l'esprit de son peuple et de le galvaniser de sorte que son existence soit tout entière absorbée par l'observation des rites et en même temps par l'obligation de rendre témoignage de sa soumission au Dieu à qui il devait tout et qui pouvait tout lui reprendre du jour au lendemain. Ainsi, le peuple égyptien était-il conditionné et programmé non seulement pour vénérer les dieux et les craindre, mais aussi pour avoir en lui ce besoin de dominer les autres peuples et ce sentiment d'avoir été choisi pour les guider et pour conduire la marche de l'humanité. Voilà ainsi à quoi correspond en tout cas l'expression « l'Égypte, mon peuple » dans la phrase d'Isaïe. Profitons du panorama que nous offre notre site d'observation dans ce fameux espace qui n'existe peut-être pas pour regarder les territoires voisins de l'Égypte. Nous découvrons alors qu'avant de structurer ce nouveau peuple et de poser les bases de la grande civilisation égyptienne, si tant est qu'elle ait existé, mais de cela nous parlerons dans un autre livre, le roi du monde avait érigé un gigantesque palais accolé à un centre de commandement en Assyrie. Il vécut dans les profondeurs des galeries souterraines de ce quartier général pendant quelques siècles avec toute son engeance, ses serviteurs, sa cour,
sa garde, ses soldats et l'ensemble des siens, c'est-à-dire les légions, l'ensemble des cloportes. En ce temps-là, les faux dieux qui côtoyaient les hommes se faisaient appeler les Anunnaki, du nom de l'espèce reptilienne des cycles précédents qu'ils utilisaient pour se manifester sur Terre. Une infime partie seulement de la structure émergeait à la surface des terres. Les villes de Ur, Babylone et Baalbek étaient en fait les trois pointes émergées d'un gigantesque complexe souterrain articulé sur plusieurs niveaux à travers un réseau de centaines de kilomètres de galeries et de salles s'étendant jusqu'en Égypte. La tradition sumérienne raconte que les trois cités furent bâties par des dieux serpents. En effet, les faux dieux fondèrent ce complexe sans même recourir au service de l'esclave humain. Les légions noires occupaient les niveaux les plus profonds, inaccessibles aux hommes, dans les ténèbres des galeries noires qu'aucune lumière ne pénètre. C'est là, dans la noirceur opaque de ce milieu visqueux, qu'ils vécurent durant des siècles à l'abri des rayonnements solaires. Une fois le troupeau humain rassemblé dans le pays d'Égypte, et une fois fondée la civilisation égyptienne, si l'on s'en tient encore une fois à la chronologie officielle, mais qu'on tente en même temps de lui donner une cohérence, les faux dieux n'avaient plus de raison d'occuper en tout cas la région d'Assyrie. Ils condamnèrent les accès aux postes de commandement souterrains et abandonnèrent les villes à leurs esclaves humains. Puis, ils regagnèrent le territoire des dieux, mettant un terme à un chapitre important du grand scénario de 26 000 ans. Voilà donc comment interpréter en tout cas l'expression « l'Assyrie, œuvre de mes mains » dans la phrase d'Isaïe. À présent, du haut de notre site d'observation dans l'espace, nous accélérons le temps et nous voyons les siècles s'écouler, puis les millénaires. Nous arrivons enfin à l'époque que les historiens appellent le nouvel empire égyptien. C'était là une période d'apogée pour l'Égypte et les fidèles du dieu Amon, mais aussi une période de grand danger pour les faux dieux, une période de bouleversement climatique et de cataclysme qui nécessiterait bientôt le retour du roi sur la terre, car de grands chambardements s'annonçaient. Parallèlement, une nouvelle conscience, empreinte d'un idéal de fraternité, d'égalité, d'humilité et d'amour, était en train de submerger le cœur des hommes telle une vague que rien ne semblait pouvoir arrêter. Sensible à cette énergie, le jeune pharaon Amenophis IV prit la tête d'un mouvement de libération et entraîna le peuple dans une révolution spirituelle en rupture totale avec le culte d'Amon. Il promulgua la destruction de tout ce qui se rapportait aux dieux anciens. Amon perdit son statut de dieu dynastique, son nom et son image furent effacés des édifices, les biens de tous les cultes furent confisqués et la caste sacerdotale fut révoquée. Derrière Pharaon, les nouveaux adeptes plaçaient tout leur espoir dans la vénération d'une divinité unique à l'origine de toute vie, Aton, le disque solaire. Animés d'une ferveur sincère et d'une pensée profondément humaine et pacifiste, Amenophis IV prit le nom d'Akhenaton. Si l'on doit toujours poursuivre dans cet exercice et tenter de donner une quelconque cohérence aux récits anciens et qui seront remis en question par la suite, comme vous le verrez, poursuivons ainsi notre récit. Pour rompre avec l'emprise et les manigances des agents de l'ancien système, Akhenaton abandonna Thèbes et fit bâtir à la hâte en plein désert une nouvelle capitale qu'il appela Akhenaton, horizon d'Aton. Nous verrons un peu plus loin sur quelle révélation reposait réellement ce culte centré sur le soleil et dont nous retrouvons l'équivalent un peu partout sur Terre. Mais quoi qu'il en soit, ne perdons jamais de vue que toutes ces histoires sont peut-être des eaux à ronger, de l'enfumage pour perdre et maintenir dans la confusion le troupeau humain. Quoi qu'il en soit, nous comprendrons alors mieux comment une idée aussi abstraite que le disque solaire avait pu justifier qu'Akhenaton et ses fidèles se lancent dans une aventure aussi inattendue que désespérée, tentant le tout
pour renverser l'ordre du monde. Le chef des légions n'entendait évidemment pas se laisser faire. L'affront de la créature humaine ne resterait pas impuni. Fourbe et calculateur, agissant dans l'invisible et usant de toute son influence sur l'esprit du peuple resté fidèle à Amon, il distilla partout un sentiment de haine et de révolte. Connaissant les faiblesses de l'être humain qu'il avait pris soin de conditionner lui-même, il savait qu'une grande partie de ce peuple resterait attachée aux traditions et à la magie des dieux de leurs ancêtres. Il excita également les rancœurs des pays voisins de l'Égypte, dans lesquels les faux dieux étaient vénérés dans les temples sous d'autres noms. En dépit de sa puissante armée, l'homme le plus puissant d'Égypte, Akhenaton, n'était pas de taille face à cet adversaire. Il n'allait pas pouvoir résister très longtemps à la colère d'Amon et à l'influence négative qu'exerçait l'ancien clergé à travers tout le territoire. Vous noterez à quel point tous ces récits de tentatives de rupture des esclaves humains vis-à-vis des faux dieux se ressemblent, quels que soient les pays, les continents concernés par ces ruptures. Quoi qu'il en soit, le grand empire, en proie aux assauts croisés des ennemis de l'intérieur et ceux de l'extérieur, n'allait pas tarder à s'effondrer. Il était dit que le rêve d'Akhenaton serait éphémère. Bientôt, ayant perdu son pouvoir et son autorité, le pharaon mourut au milieu des siens dans la cité qu'il avait fait bâtir du temps de sa splendeur et dans laquelle il s'était retranché avec ses fidèles. À sa mort, on peut imaginer que la ville d'Akhenaton était un immense camp retranché de prisonniers à ciel ouvert. Passé la période de deuil, la vie économique avait repris doucement ses droits, s'organisant autour d'une nouvelle élite composée d'éleveurs et de négociants autorisés à commercer avec l'extérieur. Au fil des décennies, la ville devint une enclave tribale avec ses propres lois, son armée, son administration, son agriculture et ses cultes hétéroclites, inspirés des nombreuses communautés qui y prospéraient. Les générations s'étaient succédées, et le temps avait eu finalement raison du culte d'Aton et de son pharaon fantasque, dont la population avait peine à se souvenir du nom. Seul le roi du monde n'avait rien oublié de l'affront. Il n'était pas de ceux qui pardonnent. Un siècle s'était écoulé depuis la mort d'Akhenaton, et le temps des catastrophes était maintenant tout proche. Le roi du monde savait que son futur statut de dieu unique allait s'imposer aux hommes après le grand chaos. Il se devait néanmoins d'en favoriser l'échéance, comme à chaque fois. Le grand scénario prévoyait depuis toujours le sacrifice de l'Égypte, son peuple, dont l'édification au-dessus de tous les autres lui avait demandé tant d'efforts. Une catastrophe d'ampleur planétaire était sur le point de s'abattre sur les hommes. La grande civilisation égyptienne allait s'éteindre aussi simplement que s'éteint la flamme d'une bougie. Le roi du monde connaissait déjà l'histoire, il savait que le processus se poursuivrait avec un nouveau peuple, né des ruines et des cendres de l'ordre ancien. Le roi du monde jeta finalement son dévolu sur Moïse, un descendant de la lignée du pharaon déchu et rebelle. Il se manifesta à lui sur le mont Horeb, et se fit passer pour le dieu de son ancêtre, c'est-à-dire Aton, et non pas Yahvé, contrairement à ce qui est indiqué dans la Bible en Exode 3.5. En effet, le nom Yahvé est une tentative de prononciation du tétragramme YHWH issu de l'alphabet hébreu. Or, le roi du monde ne pouvait pas utiliser comme nom un tétragramme directement emprunt de l'alphabet hébreu, à ce moment-là du récit, puisque précisément le peuple hébreu, en tant que tel, n'existait pas encore. Il opta pour le nom Yahvé seulement après le grand cataclysme et la chute de la civilisation égyptienne. Et il le fera pour rompre définitivement avec les temps anciens et pour fusionner l'instauration du monothéisme avec la naissance du peuple hébreu après que les enfants des habitants d'Akhenaton aient assimilé sur trois générations une nouvelle écriture,
une nouvelle culture et une nouvelle histoire, avant que le peuple d'Akhénaton ne devienne le peuple des Hébreux. Bien qu'appartenant à la branche maudite, la branche rebelle d'Akhénaton, Moïse avait passé son enfance au sein de sa lignée originelle, c'est-à-dire la lignée des sangs noirs, et donc au sein de sa famille dans le raffinement des palais de Pharaon. Élevé avec les autres enfants de la famille royale, il avait eu pour amis ses cousins, les fils de Pharaon, et parmi eux l'héritier du trône le considérait comme un frère. Comme tous en noir, membres de la lignée, il avait bénéficié de la meilleure éducation. Il avait également suivi une initiation à la magie d'Amon, pour laquelle il avait d'ailleurs montré des dispositions. Alors que jeune adulte, il profitait des plaisirs de la vie au sein de la jeunesse dorée de Thèbes, son destin bascula brusquement. Il fut impliqué en effet dans une affaire sordide, accusé de meurtre avec préméditation et tentative de dissimulation de cadavres. La situation était explosive et l'affaire ne se présentait pas bien. Il avait contre lui de nombreux témoins et même ses relations ne pouvaient pas intervenir pour étouffer le scandale. Finalement, avec l'aide de complices haut placés, il réussit à fuir le pays. Il n'avait donc plus remis les pieds en Égypte depuis plusieurs décennies lorsque Yahvé s'adressa directement à lui pour la première fois sur le mont Horeb en se faisant passer pour Aton, le dieu de son ancêtre. Souvent, le grand monarque se montrait, d'autres fois il se faisait seulement entendre, et parfois il habitait momentanément Moïse. L'enseignement prodigué à Moïse allait bien au-delà de tout ce qui avait été entendu par les hommes et il apportait la clé des secrets dont nul être humain n'avait eu connaissance. Guidé par celui qu'il prenait pour Aton, Moïse développa certaines facultés et il put voir des choses que nul être humain dans le monde n'avait vues avant lui. Conforté par son initiation qui allait bien au-delà de tout ce qu'il avait pu apprendre dans son enfance, il finit par se convaincre que ce Dieu redoutable était bien le seul vrai Dieu et il fit allégeance. Le roi du monde insuffla dans l'esprit de Moïse le concept d'un monothéisme très éloigné du message d'amour prôné par le culte d'Aton d'origine. Tout reposait en fait sur un contrat dont les clauses étaient implacables. Le roi du monde exigeait l'obéissance et la soumission absolue de ses fidèles. En échange, il leur promettait non pas la vie éternelle, proposition qui lui aurait paru saugrenue et qui n'aurait pas eu beaucoup de sens à ses yeux, compte tenu de la façon dont il considérait la créature humaine, mais une récompense purement matérielle, une terre où coulait, entre guillemets, le lait et le miel. La mission de Moïse était donc de retourner en Égypte et de conduire sans attendre les descendants du peuple d'Akhénaton vers cette terre promise. Le grand monarque l'exhortait à demander une entrevue auprès de Pharaon. Il le harcelait. On imagine que cette perspective ne soulevait pas vraiment l'enthousiasme du prophète qui risquait d'être arrêté à la minute même où il poserait le pied sur le sol d'Égypte. Le roi du monde avait beau le rassurer, affirmant que cette vieille affaire était oubliée depuis longtemps, Moïse rechignait toujours. Le chapitre 3, versets 13 à 14 de l'Exode nous le montre bien, même s'il faut transposer certains termes pour comprendre toute la subtilité de la situation. De fait, les termes originaux furent remplacés, après le grand cataclysme, par les scribes hébreux pour instiller un contexte hébraïque au récit de la Bible. Exode 3:13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, entre parenthèses, enfants d'Akhénaton, et je leur dirai, le Dieu de vos pères, la plupart des ancêtres des habitants d'Akhénaton avaient été les fidèles du culte d'Aton, m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Alors, il faut bien imaginer que le nom d'Aton devait être un tabou à l'époque en Égypte. Dieu répond à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël.
comprendre encore une fois enfant d'Akhénaton, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. L'allusion à Aton est ici flagrante. En effet, les adeptes d'Aton avaient choisi pour devise l'expression « Je suis », une formule visant à stimuler en eux l'éveil de leur conscience profonde. Une expression que l'on ne sera d'ailleurs pas surpris de retrouver dans la bouche du Christ, Jean 8, 58. Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Mais revenons au texte de l'Exode 3, 15. Le verset est important, c'est ici en effet que selon les scribes hébreux, le roi du monde aurait révélé son véritable nom à Moïse, un nom qu'il avait pourtant dissimulé jusque-là, même au patriarche avec qui il entretenait pourtant des relations privilégiées. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Ce verset, comme tant d'autres, est purement et simplement un ajout des scribes hébreux. En effet, à ce moment-là de l'histoire, le roi du monde ne pouvait pas s'inventer ce nouveau nom Yahvé et le donner aux hommes comme un os à ronger pour les raisons que nous avons évoquées plus haut. Quoi qu'il en soit, peu enclin à reproduire la folie de son ancêtre, Moïse freinait des quatre fers. Le sombre souvenir d'Aton planait encore comme un spectre dans tous les esprits. C'était une histoire qu'on évoquait la nuit pour faire peur aux enfants. Aucun contemporain de Moïse, dans la cité d'Akhénaton, n'aurait accepté d'abandonner ce qui avait été si chèrement reconquis pour suivre les délires d'un illuminé. Ainsi, même s'il ne risquait plus rien par rapport à son meurtre, il pouvait encore être arrêté et condamné à mort pour conspiration. Finalement, à bout d'arguments, Moïse finit tout de même par céder. Il retourna auprès des anciens de la cité d'Akhénaton et il se fit reconnaître d'eux par les prodiges que lui avait appris le roi du monde. Cependant, comme Moïse l'avait prévu, personne ne voulut entendre parler de quitter l'Égypte. Ce que le chef des légions noires ne pouvait pas obtenir par le consentement, il allait donc l'obtenir par la ruse et la contrainte. Il endurcit alors le cœur de Pharaon à l'encontre des habitants d'Akhénaton. Par l'augmentation de divers taxes, par des mesures d'exception, des brimades, des petites vexations, il fit en sorte d'éveiller la colère du peuple de Moïse qui se sentit soudain persécuté. Manœuvrant dans les coulisses, successivement sous l'identité d'Amon auprès de Pharaon et sous l'identité d'Aton auprès de Moïse, le grand monarque entraînait les deux communautés vers la confrontation. Exode 9-12, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Cette citation montre bien les manigances d'une même entité manipulant les deux camps dans son seul intérêt et sans le moindre égard pour l'homme. Blessé dans son autorité, Pharaon ne put faire autrement que riposter par une répression sanglante. Finalement, survint l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Après ça, il devint impossible, sous peine de mort pour les habitants d'Akhénaton, de rester un jour de plus en terre d'Égypte. C'est donc la mort dans l'âme et la peur au ventre que la population fit ses bagages en catastrophe, qui emportant ses biens, qui son bétail. Et tous marchèrent sur les pas de Moïse, qui ne savait pas lui-même où ses pas allaient le conduire et s'il trouverait un jour cette fameuse terre qu'un dieu vengeur lui avait promise. Alors, voyant qu'ils les tenaient tous entièrement à sa merci, le roi du monde estima que sa vengeance contre Akhénaton était en partie accomplie. Après avoir mis son nouveau peuple à l'abri, il déclencha le processus cataclysmique tant de fois annoncé et tant redouté par les hommes. L'épisode de la traversée de la mer Rouge, épargnant le peuple de Moïse et décimant l'armée de Pharaon, suivi des 40 années passées à errer dans le désert, est une métaphore pudique de ce tragique événement. Pour fonder son pacte
et marquer l'appartenance et la soumission de ce nouveau peuple, il exigea que tous les nouveau-nés mâles soient désormais circoncis. Ce faisant, il accablait les Hébreux d'un traumatisme supplémentaire après celui de la naissance. En effet, la circoncision du très jeune enfant a pour effet de provoquer un traumatisme qui le coupe un peu plus de l'énergie d'amour en provenance de la matrice originelle. Cette circoncision, cette altération de l'ADN, l'intelligence source en provenance de la matrice originelle, allait donc engendrer une psyché particulière chez ce nouveau peuple hébreu qui serait un jouet de prédilection entre les mains du grand monarque. C'est ainsi que l'humanité entra brutalement dans un âge nouveau, sous l'égide d'un dieu jaloux qui se présenta alors au peuple hébreu sous le nom de Yahvé. De l'extermination effroyable de son ancien peuple d'Égypte, le roi du monde hérité du peuple hébreu qui serait le fer de lance du monothéisme et qui lui conférerait un pouvoir sans limite et sans partage sur la terre. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre l'expression « Israël, mon héritage » dans la phrase d'Isaïe. Arrêtons-nous une seconde. Toujours confortablement campé et bien à l'abri au sommet de notre poste d'observation dans l'espace, posons nos mains sur un écran tactile imaginaire placé devant nous et écartons-les pour agrandir l'image, encore, encore, encore jusqu'à ce que nous puissions entrer à l'intérieur des maisons, dans les salons, au cœur des alcôves, jusqu'à ce que nous puissions pénétrer les profondeurs des tiroirs secrets, là où attendent depuis le commencement du monde les lettres cachetées que n'ont jamais parcouru les yeux des hommes. Nous y sommes. Retournons alors auprès de Pharaon et de Moïse, exactement au moment de l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Ce passage emblématique du livre de l'Exode est en réalité une transposition du cataclysme qui frappa soudainement la terre, provoquant non seulement la chute de l'empire égyptien antique, mais aussi l'extermination d'une grande partie des créatures vivantes à la surface de la planète. Nous verrons plus loin que cette catastrophe majeure s'inscrit en fait à long terme dans une série d'événements récurrents que nous appellerons les blackouts. De nombreux exégètes à travers l'histoire ont essayé de donner une réalité historique à ce chapitre de l'Exode tout en écartant l'aspect magique du récit. Cet exercice rationaliste, fondé sur la science et niant le rôle de Yahvé, offre de nombreux avantages. Il permet d'offrir une vision rassurante d'une histoire on ne peut plus dérangeante. En effet, par exemple, en étalant sur des siècles les diverses plaies, on amortit la brutalité de l'événement. Cela permet d'apaiser les angoisses des esprits matérialistes face à un avenir qui pourrait apparaître un peu trop imprévisible, voire menaçant. En outre, en gommant la cruauté de Yahvé, on tranquillise les consciences des croyants. Enfin, dernier avantage, l'exercice de rationalisation du chapitre de l'Exode donne un fondement historique à l'implantation du peuple hébreu en terre promise. Ainsi, selon ces exégètes, il suffit d'enlever le fatras fantastique empreint de superstition qui encombre le récit de la Bible pour retrouver l'histoire et les événements tels qu'ils se sont réellement produits. Prenons la première plaie. L'eau du Nil changée en sang. 7:20. Toutes les eaux du fleuve furent changées en sang, les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Les exégètes rationalistes ont ainsi pu expliquer qu'en certaines saisons, le Nil prenait une teinte rouge foncée, très voisine de celle du sang, en charriant les limons des lacs abyssins. L'eau devient alors impropre à la consommation. Selon eux, le phénomène a pu se produire hors saison, au moment même de l'intervention de Moïse. Les 3 plaies suivantes, ainsi que la 8e plaie, trouvent une explication dans des causes naturelles. 8:6, les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches.
Les sauterelles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Toutes ces plaies peuvent encore se produire de nos jours. Quant à la cinquième plaie, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Parenthèse, des enfants d'Akhénaton, on l'aurait compris. Là encore, l'explication est facile. Nombreuses sont les épizooties qui peuvent frapper le bétail encore à notre époque, et l'isolement dans lequel se trouvaient les Hébreux, dans la cité d'Akhénaton, peut expliquer pourquoi les troupeaux du peuple de Moïse ont été épargnés. La sixième plaie, les ulcères, s'explique par la présence des poux et des mouches. La septième plaie, la grêle, ne présente rien de surnaturel. Il arrive encore très souvent que les récoltes soient détruites par un brusque épisode de grêle. Enfin, la neuvième plaie, les ténèbres qui s'abattent pendant 3 jours sur le pays, peuvent s'expliquer par les poussières volcaniques propulsées par l'explosion du volcan Santorin survenu à cette époque. Le Khamsin, le vent de sable qui souffle du désert, peut également expliquer le phénomène. Les rationalistes ont également expliqué le miracle du passage de la mer Rouge. Selon eux, la traduction exacte ne serait pas la mer Rouge, mais la mer de roseaux. Ils pensent que Moïse a pu traverser à gué le delta du Nil. Le bassin des lacs amers était alors relié au golfe de Suez par des chenaux naturels soumis aux marées. Au sud, une région marécageuse offrait des gués praticables à certaines périodes et à certaines heures. Moïse avait peut-être découvert ce phénomène lors de sa fuite vers le pays de Madian. Il entraîna alors l'armée de Pharaon dans un piège en profitant d'une marée exceptionnelle. Ces exégètes ont même une explication pour le miracle de la manne qui permit de nourrir le peuple pendant les 40 années passées dans le désert. Ils rapportent en effet que les Bédouins, aujourd'hui encore, appellent manne un liquide d'abord transparent comme la rosée, mais qui évolue au soleil. Cette manne serait la sécrétion d'insectes friands d'une variété de tamaris que l'on rencontre en quantité dans le désert du Sinaï. Ainsi, comme nous venons de le voir, aucune plaie, aucun miracle au chapitre de l'Exode qui ne trouve son éclaircissement par des phénomènes naturels. Selon ces exégètes, cette narration magique se serait imposée bien plus tard avec la nécessité d'unifier un peuple autour du concept d'un dieu qu'il fallait craindre, incitant les scribes à enchaîner tous ces événements pour leur donner un air extraordinaire et terrifiant. Malheureusement, il est une plaie que ces chercheurs ne sont jamais parvenus à expliquer, une plaie qui résiste à toute tentative de rationalisation. Il s'agit de la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Exode 11, 4. Moïse dit « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Comment expliquer une sélection aussi précise, chirurgicale, pourrait-on dire? Il n'existe pas de maladie qui soit capable d'une telle précision. Et pourquoi les scribes auraient-ils tout inventé ici alors qu'ils se seraient appuyés sur des faits réels dans le cas des autres plaies? Je me suis longuement penché sur cette question et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Là où le rationalisme et l'explication par des causes naturelles atteint ses limites, nous entrons forcément dans le domaine d'intervention de Yahvé. Reste encore à comprendre comment Yahvé a fait pour exterminer uniquement les premiers-nés d'Égypte, humains et bétail indistinctement. Cela restait pour moi un mystère. J'avais beau retourner le problème dans tous les sens, je n'arrivais pas à trouver la technologie avancée qui avait permis ce tour de force. C'était sans doute un de ces tours de passe-passe dignes des plus grands prestidigitateurs, un de ces tours que ces dieux de l'Antiquité
aimaient à sortir de leur chapeau au bon moment pour impressionner le troupeau humain. Le bâton qui se transforme en serpent, l'eau qui se transforme en sang, ce sont là des tours classiques à la portée de nombreux magiciens. Mais la mort de tous les premiers-nés, c'est un tout autre registre. C'est un tour qui a nécessité une préparation hors norme sur des années, voire des générations. Et tout à coup, la solution m'est apparue comme une évidence. C'était comme si j'avais trouvé le truc du magicien. Et cette solution, par sa logique aussi surprenante qu'implacable, est venue justement conforter la théorie de la mainmise de ces entités maléfiques sur la terre. Exode 12:12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Quelle technologie pourrait permettre une pareille folie meurtrière? Quelle arme pourrait provoquer la mort de tous les premiers-nés d'une maison, laissant indemnes tous les autres membres de la famille? Si, comme on l'imagine, nous arrivons au temps de la révélation, c'est forcément que cette technologie n'est pas très éloignée de la nôtre. Alors, comment aurions-nous fait nous-mêmes si nous avions été confrontés au problème? À force de retourner la question dans tous les sens, j'ai fini par trouver. L'implant. La fameuse puce RFID dont l'implantation tend à se généraliser à travers le monde remplit en effet toutes les conditions pour réussir un tel meurtre de masse. De nos jours, le bétail et les animaux domestiques sont massivement implantés et ce sera bientôt le tour des humains. Quel que soit l'animal, l'implant utilisé est toujours le même. Et les données qu'il contient sont globalement les mêmes. Pour le bétail, figureront le nom et l'adresse du propriétaire, la race, le nom et l'origine des ascendants, la date de naissance, les dates de vaccination et l'historique médical. Autant d'informations qui permettent une meilleure traçabilité de l'animal. Pour l'animal humain, on ajoutera quelques informations supplémentaires, les données bancaires, le numéro de sécurité sociale, la photo, les données biométriques, la signature génétique, etc. Quant aux fonctionnalités de l'implant, elles sont multiples. Identification et géolocalisation sont les plus connues. Concrètement, un lecteur RFID peut lire à distance et en temps réel toutes les informations contenues dans les puces qui passeront devant lui. Il suffit en effet de faire passer le troupeau devant un lecteur RFID pour tout connaître de chaque animal. Plus le lecteur est puissant, plus la distance permettant la lecture sera grande. Il est important de comprendre que la relation entre la puce et le lecteur ne se fait pas en sens unique. L'implant est un émetteur-récepteur. Le lecteur pourra, par exemple, lui transmettre un mot de passe pour pouvoir accéder aux données les plus sensibles. Ainsi, on comprend bien que si l'implant envoie des informations, il peut aussi recevoir des ordres, comme par exemple celui de stimuler la production de telle ou telle hormone ou provoquer n'importe quelle réaction en chaîne capable d'entraîner la mort du porteur. Oui, mais alors, quel rapport avec l'Égypte antique? Eh bien, tout simplement, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Même besoin, même logique, même méthode. Pour les faux dieux cherchant à s'assurer le contrôle total de la planète, l'organisation et la gestion des ressources devaient être une préoccupation de tous les jours. N'oubliez pas, l'Égypte, mon peuple. Il leur était primordial, en effet, de connaître avec précision l'état des stocks et ce, quel que soit le domaine d'activité, de pouvoir cataloguer, répertorier et tracer en temps réel le cheptel ou tout autre bien de consommation, comme nous le faisons nous-mêmes de nos jours. Or, la meilleure façon d'y parvenir, c'est la micropuce RFID. La puce que nous connaissons aujourd'hui n'est probablement qu'une pâle copie de celle conçue par les faux dieux à l'époque. Le peuple égyptien, ayant été complètement modelé par eux, l'Égypte, mon peuple, disait Yahvé, il est évident que la civilisation égyptienne entrait totalement
dans ce programme de contrôle et faisait l'objet d'une attention toute particulière. Pour optimiser la gestion de leur territoire, les Faux-Dieux, les Légions Noires, avaient forcément, par l'intermédiaire des Sangs Noirs, implanté toutes les créatures leur appartenant, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Le fait que l'Éternel, dans cette condamnation à mort des premiers-nés, ne fasse aucune distinction entre le bétail domestique et les humains est d'ailleurs un détail qui conforte l'hypothèse de l'implant et de la gestion d'un cheptel où l'on ne fait pas de distinction entre les êtres humains et les animaux. L'humanité en tant que propriété des dieux était traitée exactement de la même façon que tout autre animal. En outre, on sait l'importance du droit d'aînesse à cette époque, droit qui préservait les richesses d'une maison à travers les générations. Cette notion de premier-né et l'attention toute particulière que les Faux-Dieux prêtaient à la pureté des lignées devait donc nécessairement se retrouver encodé dans la puce d'identification implantée à toutes les créatures d'Égypte. Ajoutons que les hommes vivaient souvent avec leurs animaux sous le même toit. Il était donc impossible aux drones équipés de lecteurs RFID qui auraient survolé à basse altitude le territoire de l'Égypte de faire la distinction entre les premiers-nés humains et les premiers-nés du bétail au sein d'une même maison. C'est pourquoi l'Éternel le précise, depuis les hommes jusqu'aux animaux. De fait, il aurait voulu faire autrement que de toute façon, techniquement, il n'aurait pas pu. J'ajoute qu'on parle souvent dans le dossier OVNI de victimes enlevées sur lesquelles aurait été retrouvé un implant. Si la question de l'implant comme technologie utilisée par les extraterrestres est un thème classique de l'ufologie mondiale contemporaine, il n'est pas absurde finalement d'imaginer que ces entités extra-dimensionnelles, les Faux-Dieux, l'utilisaient déjà à l'époque de Pharaon. Si nous avons résolu la question du mode opératoire de la dixième plaie d'Égypte, de nouvelles questions se posent, et pour commencer celle-ci, comment les Faux-Dieux, gestionnaires rigoureux, revendiquant le contrôle du territoire de l'Égypte et la propriété sur tout le bétail, humain compris, s'y sont-ils pris pour procéder à l'implantation depuis les hommes jusqu'aux animaux? Ils n'opéraient évidemment pas eux-mêmes. Cette tâche incombait à leurs représentants directs, à savoir le clergé égyptien dont certains s'occupaient aussi de prodiguer des soins aux animaux. Les prêtres initiés de l'Égypte était une caste à part jouant un rôle essentiel de médiateur entre les dieux et le peuple. Ils ne s'occupaient pas seulement des rituels funéraires, des morts et des momifications, ils intervenaient évidemment au moment de la naissance, à travers des rituels de bénédiction et aussi à travers un important rituel de baptême. Cela si on s'en tient à la chronologie officielle, mais je vous rappelle que toute cette histoire peut-être concerner davantage notre avenir que notre passé. Quoi qu'il en soit, c'est sans doute à l'occasion de cette cérémonie du baptême, mais aussi peut-être à l'occasion des premiers soins apportés aux animaux domestiques et au bétail, qu'était implanté l'équivalent de notre micropuce RFID. Sans doute les prêtres n'avaient-ils pas conscience de leur rôle, tout comme la circoncision, cette implantation, de quelque manière qu'elle se produisait, devait symboliser à leurs yeux le signe d'appartenance du nouveau-né ou du jeune animal au dieu Amon. Ils ne soupçonnaient pas que ce rituel consistait en fait à mettre en place sur chaque individu ou animal une technologie tout à fait matérielle qui rendait l'appartenance au dieu plus que palpable. Une autre question épineuse de cet épisode crucial est: comment cette plaie a-t-elle pu épargner les premiers-nés du peuple hébreu qui devaient être forcément implantés eux aussi? En effet, le peuple hébreu, n'ayant pas encore d'existence réelle à ce moment de l'histoire, ils étaient égyptiens à part entière, et rien au niveau de l'encodage de l'implant ne devait les distinguer du reste de la population.
La réponse est simple. Les puces ont une portée relativement faible. Le meilleur moyen pour les scanner et pour les activer à l'échelle d'un pays est l'utilisation de milliers de drones lâchés dans l'atmosphère et passant au-dessus des maisons à basse altitude. Or, si comme nous l'avons vu, les drones ne pouvaient faire la distinction entre humains et bétail, pour des raisons d'encodage, il n'en est pas de même pour les maisons. Que nous dit la Bible? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Si l'on s'en tient à notre théorie de l'implant, tout cela paraît absolument logique une fois encore. Un simple programme de reconnaissance a pu permettre aux drones équipés de caméras à vision nocturne de faire la différence entre les maisons du peuple égyptien et celles du peuple de Moïse, reconnaissables par la présence du sang sur les portes. Exode 12, 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. À chaque fois qu'un drone survolait une habitation, il ciblait la porte et en cas de détection positive, il devait alors stopper la transmission de l'ordre mortel. Ainsi, l'ordre était bien transmis aux puces par les ondes qui, tel un destructeur, pénétraient à l'intérieur des maisons. On comprend aussi pourquoi le roi du monde précise, Exode 12, 22, « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Toutes ces précautions vont dans le sens de tout ce qui vient d'être dit plus haut. Une autre question me semble importante. Comment la mort a-t-elle été provoquée par l'implant? Une des craintes qui revient très souvent lorsque l'on parle de micropuces, c'est d'imaginer qu'un dictateur fou pourrait un jour avoir l'idée de placer dans la puce une capsule de poison capable de se déclencher à la réception d'un signal. C'est un thème classique de la science-fiction. Ici, dans le cadre des puces extraterrestres, il est plus vraisemblable d'imaginer un programme de type viral capable de communiquer un ordre d'autodestruction à toutes les cellules du corps, provoquant ainsi une hémorragie généralisée, entraînant une mort quasi instantanée. Autre question, pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé de puces dans le corps des momies? Alors, tout cela, c'est toujours en partant du principe que la civilisation égyptienne, les momies et toute la culture égyptienne, ainsi que les édifices que l'on connaît, ont réellement existé. Partant de ce principe, comme nous l'avons dit plus haut, il ne faut pas comparer la micropuce humaine commercialisée dans le monde et la puce qui devait être utilisée à l'époque en Égypte. Toute technologie de pointe amenée à son sommet de sophistication atteint une apparence de simplicité qui la fait se confondre avec son milieu environnant. Les implants des faux dieux étaient vraisemblablement des systèmes neuronaux nanotechnologiques qui, une fois insérés dans le corps, produisaient pour se protéger une membrane organique à partir des tissus de l'hôte. Nous pouvons donc supposer qu'au moment de la mort, l'implant subissait le même processus de désagrégation que le reste du corps. Nous n'oublions pas non plus que les momies étaient débarrassées de leurs organes à l'exception du cœur et des reins. Les embaumeurs retiraient les viscères, le foie, les intestins, l'estomac et le cerveau. Ainsi, l'implant était-il peut-être systématiquement retiré à cette occasion, sans que personne n'en ait même conscience. Enfin, dernier détail, bien connu du milieu ufologique, l'implant extraterrestre ou extra-dimensionnel se désagrège en quelques minutes à l'air libre lorsqu'on le retire du corps de l'enlevé. Ainsi, l'absence de traces d'implant dans l'Égypte antique n'est pas une preuve de l'absence. Nous donnerons un peu plus loin dans ce livre une autre explication de la désagrégation des implants. Dernier point venant confirmer la cohérence de notre hypothèse,
et ce dans l'acceptation de l'existence d'une civilisation égyptienne. Nous avons vu que Amon avait organisé l'implantation du peuple égyptien. Or, c'est Aton, alias Yahvé, qui provoque la dixième plaie. Si le dieu de Moïse a su si facilement donner des ordres aux implants d'Amon, ce n'est pas parce qu'il a piraté le système. C'est simplement parce que Amon et Aton, Yahvé, ne sont qu'un seul et même dieu, le roi du monde, le diable, qui règne en maître sur toute la matrice artificielle. Est-ce de la science-fiction ? Cela reviendrait à dire que cet épisode de la Bible est lui-même de la science-fiction, car je ne vois pas de solution plus pertinente et surtout plus cohérente que l'implant pour expliquer la dixième plaie d'Égypte. Il faut cesser de penser archaïque lorsqu'on évoque la Bible, sous prétexte que les événements se sont déroulés il y a plusieurs milliers d'années. En réalité, en ce temps-là, les faux dieux disposaient déjà d'une technologie hyper sophistiquée à laquelle l'esclave humain n'avait tout simplement pas accès. Les choses n'ont d'ailleurs pas changé depuis cette époque. L'humanité a suivi le déroulement programmé du grand scénario, lui donnant accès à une technologie de pointe, en réalité restreinte, excluant l'énergie libre et l'antigravité. Deux domaines qui auraient pu faire de l'homme l'égal des dieux. C'est l'éternel épisode de l'arbre de vie qui est interdit, c'est Babel, toujours la même problématique de contrôle. Il n'est pas surprenant de trouver dans les mythologies antiques et dans les livres des grandes religions actuelles des événements impliquant une technologie d'une modernité extraordinaire entre les mains de dieux sanguinaires. Mais si le scénario de notre histoire, cycle après cycle, est déjà connu par les gardiens du troupeau, alors il ne faut pas non plus écarter de la main une autre hypothèse, à savoir que certains passages du récit des textes anciens nous parlent d'un avenir annoncé et vers lequel nous sommes entraînés. Cet anachronisme ne réside d'ailleurs pas seulement dans les descriptions de chars volants, de nuées ardentes, de roues flamboyantes dans le ciel, d'armes exceptionnelles nous laissant deviner l'arsenal militaire des faux dieux. On le retrouve aussi à travers certains concepts qui apparaissent ça et là dans les textes. L'évangile de Jean débute ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il s'agit de la traduction de Second, qui date de 1910. Que le personnage de Jean, le plus mystique et le plus inspiré des quatre évangélistes, l'auteur de l'Apocalypse, ait existé ou pas, cela n'a que peu d'importance. La question est de savoir comment il y a, à en croire la chronologie officielle, environ 2000 ans, l'auteur de ces versets a pu saisir, comprendre et simplement avoir l'idée d'un si grand secret, d'une si grande vérité. Au commencement était la parole. De nombreux théologiens et exégètes par le passé ont tenté de percer le mystère de cette phrase. Ils se sont à chaque fois heurtés à ce mot irréductible, parole, verbe. Il existe en effet une autre traduction, celle de Crampon, qui date de 1864, qui est très répandue et qui utilise le mot verbe au lieu du mot parole. Dans cette version, le texte de Jean me semble peut-être encore plus parlant. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Des centaines de pages ne suffiraient pas à juste survoler les nombreuses tentatives d'interprétation savantes qu'ont suscité ces quelques lignes. Il ressort en tout cas de cette étude que tous ont été contraints d'aborder le mot « parole » ou « verbe »
comme un symbole d'ordre métaphysique. Autant dire que les explications devenaient vite embrouillées, pour ne pas dire enfumées. Je vous propose de regarder tout ça avec nos yeux d'aujourd'hui, car pour ceux qui ont inspiré aux hommes de telles vérités, tous les temps des hommes se confondent. Ces entités, quelle que soit leur nature, ont soufflé en effet leurs idées à partir de leur propre savoir qui intègre et dépasse toutes nos connaissances passées, présentes et sans doute futures, tandis que nous sommes condamnés à les lire et à les interpréter en les confrontant aux connaissances du temps présent. Or, le temps présent, le nôtre, n'est-il pas celui de la révélation ? Révélation de Jean, justement. Le moment est donc venu d'oublier l'époque et le contexte dans lequel a été écrit ce passage afin d'essayer de considérer autrement les choses et de regarder le mot « parole », « verbe » dans sa signification la plus concrète, la plus terre-à-terre, au premier degré de la modernité. Lorsque l'on cherche un synonyme au terme « verbe » ou « parole », l'un des très bons candidats qui nous vient à l'esprit est le mot « langage ». Or, qu'est-ce qu'un langage ? Un langage est un code, c'est la combinaison cohérente de symboles assemblés ou prononcés selon un certain ordre pour devenir efficient. Il y a évidemment toutes sortes de langages. Le langage informatique nous permet aujourd'hui de comprendre qu'un langage, lorsqu'il est créateur, peut être générateur de programmes, c'est-à-dire qu'à travers le langage, la parole peut devenir verbe. Toutes ces notions font naturellement penser au film Matrix. Jusque-là, pour un homme contemporain, rien de surprenant. Il est par ailleurs amusant de constater que la quasi-répétition « et le verbe était en Dieu » « et le verbe était Dieu » est un procédé typique, très souvent utilisé par les programmeurs aujourd'hui lorsqu'ils écrivent des centaines de lignes de code en travaillant à la conception de programmes. Faut-il y voir un clin d'œil révélateur des faux dieux, ceux-là même qui ont conçu notre monde ? Comment expliquer que l'auteur des versets ait eu à son époque l'intuition que le monde réel n'était qu'un entrelac de milliards de lignes de code liées par une énergie dont les effets visibles sont le temps et formant une multitude de programmes ? Un langage. Cette connaissance a dû lui parvenir sous forme de message par transcendance qu'il a probablement retranscrit sans même comprendre. En revanche, à l'époque des ordinateurs et des jeux vidéo, nous pouvons très facilement imaginer une sorte de langage informatique, non pas binaire, mais à multiples dimensions, un langage informatique puissance 10 000. Nous pouvons imaginer le jeu des Sims puissance 10 000. L'univers des Sims a été entièrement écrit en langage informatique et paramétré selon des lois très précises. Cette image devrait nous permettre une nouvelle lecture du texte de Jean, beaucoup plus claire et limpide. Au commencement était le langage, et le langage émanait d'un programmeur, et le langage était créateur. Le langage était au commencement avec le programmeur. Toutes choses ont été faites par le programme, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dans le programme était la vie, et la vie était la lumière des Sims, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est amusant de constater que les Sims, lorsqu'ils s'animent dans le jeu, sont toujours accompagnés d'une lumière verte en forme de losange flottant au-dessus d'eux, de la même façon que l'homme est entouré de ce que nous appelons une aura, et qui serait visible sur les photographies grâce à l'effet Kirlian. Il est beaucoup trop tôt pour se pencher sur ces notions de lumière et de ténèbres que je laisserai de côté pour l'instant. Je ne suis pas en train de dire que nous vivons à l'intérieur d'une simulation informatique. Cette comparaison, en tout cas avec le jeu des Sims, a pour but de renforcer l'idée que ce que nous percevons et croyons savoir n'est en réalité qu'une illusion, comme nous l'enseigne du reste depuis toujours la grande majorité des philosophies de par le monde. L'exemple des Sims et de l'informatique peut nous servir de support simple pour concevoir le monde tel qu'il est vraiment multidimensionnel et mathématique.
Il est un fait que notre monde composé d'ondes se combine entièrement sous la forme d'un langage mathématique, créateur de potentiel. La phrase de Jean est donc incroyablement exacte, d'autant plus exacte et visionnaire qu'un autre langage s'ajuste constamment au programme de la matrice, à ses lois, à tous ses paramètres. Il s'agit encore d'un code, l'ADN, porteur d'un langage génétique à la base de toute vie et qui, à chaque microseconde, se réorganise pour tenter de rétablir un équilibre qui semble le fuir en permanence. Galilée, en son temps, affirmait pour sa part que le monde était écrit en langage mathématique. Troublant de constater que le règne du vivant s'emploie à favoriser une seule chose, le programme génétique propre à chaque espèce et l'évolution et la survie de celui-ci au détriment des individus qui composent ces espèces. Si le monde est essentiellement un langage mathématique, à l'image de la matrice originelle, est-ce la confirmation que les hommes élaborés à partir de matière génétique sont des robots biologiques programmables, adaptables au langage de la matrice, comme les personnages du jeu Sims sont adaptés au langage informatique? Ce qui vient d'être dit nous permet de visualiser en tout cas la matrice comme une sorte d'immense verbe ou programme à l'intérieur duquel d'autres programmes évoluent en permanence. Cela nous permet aussi de comprendre le véritable pouvoir de la parole, du son, de la musique dans ce programme. Ceci nous explique pourquoi connaître le nom véritable d'une personne, son identité, c'est détenir sur lui un pouvoir. En effet, le nom d'une personne offre à celui qui le détient la possibilité de l'atteindre à tout instant en passant par le bios de la matrice. C'est aussi avoir la possibilité d'agir sur cette personne, simplement par la volonté. Par exemple, en murmurant ou en scandant son nom suffisamment longtemps pour faire vibrer ses lignes de code et modifier ainsi sa fréquence vibratoire. L'identité précise d'une personne est donc réellement une porte d'entrée qui ouvre sur de nombreuses possibilités de manipulation et de programmation. Le domaine de la magie, avec ses incantations intégrant le nom de la personne visée, est l'illustration même de ce pouvoir. Il en est de même de l'ADN. Scanner le nom de quelqu'un, posséder une mèche de ses cheveux, une goutte de son sang ou de son sperme, c'est détenir un pouvoir considérable sur lui. Cela permet de convoquer son corps subtil dans les sous-couches du programme afin d'agir directement sur lui en s'attaquant là où les lignes de code sont très vulnérables et très peu protégées. Posséder le nom et l'ADN d'une personne, c'est en quelque sorte détenir son adresse IP et son mot de passe qui permettra de pénétrer dans ses fichiers les plus intimes et les plus sensibles et de les modifier sans qu'aucun antivirus ni aucun pare-feu ne puisse vous en empêcher. Voilà exactement décrit le mode opératoire qui explique pourquoi et comment fonctionne la magie au cœur de cette matrice. Tout cela est possible parce que Jean a raison. Au commencement était la parole, le verbe, le langage. Et le langage émanait des faux dieux et le langage était créateur. Nous comprendrons plus tard que ce langage, à l'origine de notre monde et de tous les programmes qui en définissent ses lois, est en réalité entièrement constitué d'ondes. Où que nous regardions, ce ne sont que lignes de code et programmation, code biologique, code biométrique, code numérique, code mathématique. Nous sommes cernés par les mailles d'un langage codé parfaitement tissé. Et pourtant, nous sentons bien que quelque chose ne tourne pas rond. Nos dieux, en rupture de ban, ont mis en place une matrice virtuelle se substituant au royaume. Et cette fois, après le revers subi par les titans, ils feront tout pour empêcher leur monde de s'effondrer. Aussi implacable que soit la pleine compréhension des versets de Jean, au commencement était la parole, elle nous offre surtout de merveilleuses perspectives. En effet, si nous parvenions nous aussi à craquer le code de la matrice, le langage de la création, nous pourrions alors tout entreprendre. Nous pourrions ordonner à l'ADN de se régénérer éternellement, par exemple. L'humanité pourrait être l'égale des dieux.
N'est-ce pas finalement ce que craignent nos créateurs, fondateurs de toutes les religions et mythologies de l'histoire des hommes, que l'on devienne comme eux? N'est-ce pas pour cette raison qu'ils gardent le secret absolu sur leur identité, changeant de nom en fonction des peuples et des époques? Il était essentiel de faire, pour cette première partie, cette introduction à la matrice artificielle, l'inventaire de ce qui ne va pas en ce monde, de comprendre les mécanismes de l'imposture, le terme « illusion » serait un terme trop doux, et de bien prendre conscience que les dés sont pipés. C'est à ce prix que nous pourrons un jour distinguer la vraie lumière de la lumière noire. Comment pourrions-nous reconnaître en effet la lumière si nous n'avons pas au préalable regardé en face les ténèbres qui nous assiègent? Comment différencier le vrai du faux lorsque, privé de lumière depuis toujours, on a été maintenu dans l'ignorance la plus totale? C'est évidemment la porte ouverte à tous les pièges. Pensez aux papillons attirés par la lumière et qui se font dévorer par la flamme. L'ignorance dans laquelle nous nous trouvons ouvre les portes de la domination de ceux qui savent. Certes, l'esprit est puissant. Il est en mesure d'agir sur le réel et même de le générer. Mais pour faire les bons choix, penser positivement ne suffit pas. Les discours d'amour ne suffisent pas. Ils peuvent être vides et creux, superficiels, et nous entraîner dans des impasses comme c'est souvent la mode aujourd'hui. Il faut que nous fassions un effort de lucidité et que nous acceptions de regarder sans complaisance la toile d'illusion dans laquelle nous sommes empêtrés, car l'enfer est pavé de bonnes intentions. Finalement, les précautions prises par les faux dieux pour nous empêcher de devenir des dieux à notre tour nous prouvent que le crack-code de la matrice est à portée de main. La connaissance des secrets de l'alchimie et les versets de Jean en sont les premiers signes. C'est peut-être alors ici que réside la première étincelle d'espoir. Oui, il y a encore matière à espérer, il n'y a pas que les ténèbres ici-bas. Il y a en effet un mince filet de lumière qui filtre encore à travers le tumulte du combat invisible qui fait rage. Un filet de lumière blanche qui nous permet d'entrevoir une issue positive et des jours meilleurs. À présent que nous avons développé une vision globale de notre situation au cœur de la matrice, refermons cette introduction, refermons la première partie de ce livre.